Une belle journée ensoleillée commence à Poneyville. Vous êtes venu au marché acheter quelques légumes et retrouver vos amis. La place du marché fourmille de poneys de toutes sortes. On dirait que le soleil a fait sortir tout Poneyville. Vous avez fini vos courses et vos sacoches de sel sont pleines de nourriture et de friandises. Et donc là, je vais vous demander, chacun à son tour, qu'est-ce que vous aurez pu acheter. C'est là où vous allez un petit peu faire vos emplettes pour l'aventure à suivre. Donc on achète ce qu'on veut ? Oui, et vous avez 400 pièces d'or, vous me dites ce que vous voulez acheter et je vous dis à peu près combien ça pourrait coûter. Festi, tu voulais acheter des cookies ? Oui, plein de cookies. Donc je considère que c'est des encas, donc c'est un goûter rapide. Donc ça te coûtera une pièce d'or par cookie. J'en prends 40. 40, ok. Est-ce que tu veux acheter autre chose, Festia, ou pas ? Non. Des cookies, c'est pareil pour toute éventualité, okay. Toute situation. Ok. Ethel ? Des pommes. J'achète des pommes. Ethel, combien de pommes tu veux acheter ? Combien coûte une pomme ? C'est un encas, donc ça sera un aussi. Ok, je vais prendre 40 pommes. Enfin, 50 pommes. 50 pommes. Donc tu as, vous avez chacun un gros sac avec 40 cookies et 50 pommes. Vous avez le droit d'acheter autre chose. Il y a des cordes, il y a des armures, des échelles, il y a plein de choses. Que ça, c'était la gourmandise. Mon personnage est passionné par les étoiles. Oui. On voit un télescope. Un télescope, ça te coûtera 50 pièces d'or. Et les ballons de baudruche, ça coûte combien ? Ballons de baudruche, considère que ça coûte... Ouais, je vais dire 5 pièces d'or. Par ballon ? Par ballon ? Ouais, par ballon. Est-ce que les potions existent ? Non, si tu dis des potions de soins... non, mais c'est des coffrets de soins, quoi. Genre des coffrets de magie, des trucs comme ça, ouais ? Non ? Alors, c'est pas des... Est-ce qu'on sait qu'on va partir à l'aventure La magie, elle est en toi, Fanny, donc y a pas d'objet magique en soi. Hein. D'accord. Bah, mais, je sais pas, moi. Genre, une guitare électrique, c'est de la magie pour eux, parce que l'électricité n'existe pas dans My Little Pony. D'accord. Genre, c'est de la magie comme non, ça. Non, mais c'est juste, est-ce qu'on sait qu'on va partir à l'aventure, ou est-ce qu'on sort juste entre amis faire le marché, quoi ? En soi, vous sortez juste pour faire le marché, mais vous savez qu'avec Estrella, l'aventure est à chaque coin de rue. Morgane ? Oui ? Il y a moyen que je prenne aussi un livre sur l'astronomie. Un livre sur l'astronomie ? Ouais. Oui, pour... Développons les connaissances. Pour 5 pièces d'or, je peux t'accorder ça. Allez, go ! Moi, je commence à me diriger vers ma maisonnée pour aller stocker mes nouveaux cookies. Non, mais les cookies, tu peux les garder sur toi, hein. Ah non, mais j'ai un stock chez moi, donc je peux emporter plus que 40 sur moi, en fait. Mais du coup, tu gardes tes 40 cookies sur toi ? Peut-être. Bon. Je fais toujours des petites réserves. Pesti, qu'est-ce que tu veux acheter ? Bah moi, je me sens plutôt d'humeur farceuse. Hein ? Je vais acheter... Allez, 5 gousses d'ail. De l'ail ? Ok. Ouais. Bon, je considère que ça vaut une pièce d'or. Hein. Ok, donc. Et du poil à gratter, ça coûte combien ? Du poil à gratter ? Ouais, ou un truc qui... Une farce à attrape. Ouais. un petit flacon de poil à gratter, allez, 5 pièces d'or, allez. Allez, cool. Et Morgane, dans My Little Pony, c'est pas des pièces d'or, c'est des bits. Ah, dans le livre, c'est marqué des pièces. Ah bah, dans le livre. Mais je te crois, parce que j'ai déjà entendu ça dans une autre partie de My Little Pony. J'ai pas entendu, c'est quoi le truc ? La monnaie, c'est des bits. Ouais. Des bits ? Oui, BITS. Ah, des bytes, des morceaux. Oui. Je t'ai juste à signaler qu'on a tous pris quasi que de la bouffe, en fait. Ah bah, c'est vous qui voyez, hein. C'est marrant. Là, pour le coup, c'est votre imagination. En général, ouais, c'est pour de la bouffe. C'est un grand marché, vous pouvez acheter plein de choses. Hein. Il y a des armures, il y a des échelles, il y a des gemmes, il y a des instruments de musique, des livres. Pardon, livres d'ailleurs, c'est 10 pièces d'or. Est-ce que les livres sur les langues magiques anciennes, ça existe ? Oui, bien sûr, tout existe. Enfin, tout, non, mais... Il reste moins à faire des courses. Sachant que ça, c'est des choses potentiellement que tu possèdes déjà, Maple. Oui, c'est vrai. Ah, si quelque chose qui remplace un petit peu les potions de soins, c'est le baume pour poney. Oui, bah tiens, je vais prendre ça. Qui coûte 25 pièces d'or par baume. Ouais, alors tu me feras la liste. Un baume peut être utilisé pour 5 utilisations. Je vais en prendre 2. Ok. Ah, attends, je sors ma calculette, tu permets ? Bah, ça fait 50. 25 plus 2.
Non, oui, mais parce que je vais pas acheter que ça. Je pense que je vais acheter quelques fruits et légumes. Ok, donc c'est considéré comme... Genre imagine un panier de fruits et légumes, c'est quoi ça? Un truc où t'as déjà un peu de tout, quoi. Ouais, on va dire un repas ordinaire, donc un petit panier, 3 pièces d'or. Ouais, bah j'en prends... tu dis un petit repas ordinaire? Ouais, bah ça te fait un petit repas, quoi. Et bah je prends... 5 repas. Ok. Je vais prendre... Qu'est-ce que je peux avoir comme objet magique, tu sais, genre que je pourrais acheter genre pour m'amuser ou pour faire des expériences? Qu'est-ce qu'il y a comme objet magique? En fait, la magie vient entièrement de toi. Donc oui. Il n'y a pas d'objet magique. En fait, la magie est en toi, en fait, directement. D'accord. Ok. Excuse-moi, je connais pas l'univers. Après, en fait, si tu préfères, en gros, que je t'explique, la magie des licornes dans My Little Pony, tu peux à peu près tout faire avec, de type porter des gros objets, etc., les faire flotter dans les airs et tout. Ce qui représente la télékinésie dans ta fiche de perso. Ok, ouais, donc je pourrais pas avoir de, par exemple, de cap qui me rend invisible juste pour le fun. Ça existe pas. Tu peux te téléporter aussi dans My Little Pony. Oui, ça, je sais, mais plus tard. mais se rendre invisible, genre comme Harry Potter. Ça va pas être possible tout de suite, quoi. Je pense pas. Ouais, d'accord, je vois. Non, par contre, en termes de toute magie, t'as les gemmes qui te servent à fabriquer des robes. À fabriquer des robes. Ouais. C'est-à-dire c'est des gemmes qui savent fabriquer des robes. Ou à se remplir l'estomac aussi. Ouais, elles font un peu tout quand elles aident. Ouais, voilà. Bah tiens, alors, je vais en prendre, tiens. Alors, les gemmes, c'est les dragons qui les bouffent. C'est les dragons. Oui, pardon. Mais non, je vais quand même en prendre. Si on croise un dragon qu'il faut le nourrir. Pour qu'il devienne super fort, tu vois, c'est ton gemme. Ça te coûte 20. Donc, ouais, je vais prendre ça. 2 gemmes. Ouais. Ok. Du coup, il me reste 295 PO. Ok. Pestilence. Est-ce que t'as encore autre chose à acheter? Moins que le grand destin décide d'attirer mon regard sur un objet en particulier, oui, j'ai fini. Ok. Electro? Moi, je vais prendre un pack de canettes de boissons énergisantes. Et des récipients afin de pouvoir des espèces de petits récipients en verre afin de pouvoir mettre des choses dedans, des bocaux. Des bocaux pour prendre des échantillons? Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, ok, donc je considère que ton pack il te coûte 5 pièces d'or et les bocaux... ouais, 5 pièces d'or pour chaque. Combien de bocaux? Je vais prendre 5 bocaux. J'ai oublié un truc, j'ai le droit de le... Vas-y. Un sac à dos. Alors ouais, les sacs à dos, c'est des sacoches de sel, ça coûte 25 pièces d'or. C'est des sacoches de... De sel. Ah bah je vais en prendre un aussi. Ah oui, bon après... Pour ranger une partie des objets c'est dans... C'est vrai que ça peut être petit pour transporter un... Donc je te rajoute un truc et ça te coûte 25. Du coup je pense que j'en prends... T'en prends une aussi, Ethan? Celle de poney. Ouais. Sacoche de sel. Il y a des gens qui peuvent nous monter. Non. En général, non. Les personnes qui te montent. Pourquoi les selles existent? Enfin, ça dépend ce que tu veux faire. Puis tu veux que les gens te montent, mais généralement, t'as pas besoin de sel pour que quelqu'un te monte. Enfin. Après, peut-être il te faut des étriers, mais. Généralement, tu tiens bien en place, tu vois. Titre. Enfin... Voilà quoi. on dira ça, hein. Ok, donc électronique, tu prends juste ton pack de boissons énergisantes et 5 bocaux, c'est tout? Plus une selle histoire de transporter tout ça. Ah, une sacoche de selle, très bien. Moi ça m'empêche de bien voler. Et du coup, je vais vous inviter chacun à votre tour à vous présenter de manière... comme si vous vous présentez comme des fiers poneys. Pesti, lance. Alors... Je suis une poney, simplement, qui aime beaucoup rire, mais qui a du mal à interagir. Elle aime souvent rire, mais elle a un peu du mal à interagir avec les autres. Voilà. En fait, elle rigole toute seule, quoi. Voilà. C'est ça. Oui, d'accord. Elle fait des blagues à soi-même. Maple, c'est à toi. Je m'appelle Maple, je suis une licorne et j'aime la magie. Festia. Alors, moi, petite présentation, vous voyez auprès de vous, en fait, une petite Pégase qui a l'air... physiquement toute légère et
et fragile. Donc la couleur bleue, je sais pas si vous voyez Luna dans la série, pour ceux qui ont regardé. Bah, elle a le pelage bleu nuit avec la crinière d'un bleu plus clair. Elle a une cutie mark, c'est un ballon de baudruche bordeaux avec une sorte d'écrou couleur bronze. Et elle est particulièrement expressive, même si elle a l'air un petit peu réservée sur l'instant, disons. Ethel ? Alors, moi, ce que je joue, c'est Ethel Nebulosa, en poney terrestre normal, à la robe bleu nuit aux yeux vert aurore boréale, avec comme marque de beauté la constellation de Cassiopée. Donc pour lui, plus important, c'est la loyauté. Il va être très loyal envers ses amis. Par contre, il est complètement naïf. Il croira beaucoup de gens sur parole. Et c'est un grand, grand passionné donc d'astronomie. Et il est très distrait aussi. Ok. Il adore les papillons. Et oui, il adore les papillons, Ethel. Et du coup, pour électronique. Et on garde le meilleur pour la fin. Nick électronique, scientifique et inventeur en tout genre. Splendide Pégase qui vole dans le ciel et qui fait des expériences en tout genre, de la physique, de la chimie, tout. Il a tendance à faire des explosions et en général, ça claque. Pour les fêtes, c'est lui qui gère les feux d'artifice, tout ça. Voilà, donc ça annonce une équipe haute en couleurs. Il a le pelage bleu, voilà. Donc, vous êtes attiré par une grande foule rassemblée près de la fontaine. Les poneys applaudissent à un saltimbanque, un jeune poney licorne qui donne un spectacle de magie. Pour le plus grand bonheur de tous, vous êtes captivé par cette licorne qui fait apparaître des pommes par magie. Sort des fleurs colorées de son haut de forme et crée des arcs-en-ciel scintillants au-dessus de ses ailes. Du coup, vous ne surveillez pas vos courses. Vous allez tous m'envoyer le prix, ce qui vous reste d'argent, dans le salon nos micros. Je suis sûr que ce saltimbanque, je ne sais pas si des effets spéciaux ou vraiment de la magie. Oui, c'est une vraie question. En quoi est-ce qu'on est amazed par de la magie, sachant qu'on peut tous en faire? Alors non, c'est que les licornes qui peuvent en faire déjà. Ah. Oui, voilà. Et ceux qui n'ont jamais vu une licorne et tout ça, bah voilà. Le saltimbanque, c'est de la maîtrise. Ça demande c'est une licorne? C'est une licorne ou pas le C'est une licorne, oui, c'est totalement une licorne. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez cette licorne? Quelle est votre réaction? Ouais, pommes. J'habite pas très loin, j'habite dans la ville, moi, j'habite en plein cœur de la ville, et ça me donne envie d'aller chercher un truc chez moi. D'accord, tu veux aller chercher quoi? J'ai envie d'aller chercher mon lance-confetti mécanique que j'attache à ma patte. J'ai envie de lui tirer dessus avec mon lance-confetti. Très bien, donc tu fais ça, et tu connais le truc, donc je te fais pas faire de jet, hein. Et tu lances dessus avec ton truc mécanique. J'ai fabriqué moi-même, et puis je fais ça un peu à l'Assassin's Creed, tu vois, en toute discrétion. Ouais. Mais, parce que ça m'amuse. Contre toute attente, tu te rends compte que en fait elle joue de ça, elle fait genre que ça fait partie du show tout simplement, et donc voilà, elle continue à faire ses tours de magie et tout, à émerveiller la foule. Elle s'approche de toi et à un moment donné elle approche son sabot un petit peu de ton oreille et elle fait sortir une pomme de derrière ton oreille. Alors je garde les yeux ronds, je fais BE. Et là, je regarde derrière mes oreilles et dis mais. À ce moment-là, Maple, tu sens que ta sacoche s'est alourdie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Pourquoi est-ce que je m'en rends compte déjà? Bah, parce que ta sacoche s'est alourdie en fait. J'ai pas posé ma sacoche. Non, t'as pas posé ta sacoche, elle est sur toi. Je fais de la télékinésie, je peux très bien la poser par terre pour pas me fatiguer le dos. Oui, mais ça te fatigue, la magie. Ouais, mais ça me fatigue une fois. Porter la sacoche, ça me fatigue tout le temps. Bref, tu sens même avec ta magie que ta sacoche est devenue un peu plus lourde que d'habitude. Tu sens qu'il y a un truc qui gigote dedans. Fichtre. Mais qu'est-ce donc?
Bah, du coup, j'ouvre ma sacoche. Du coup, en regardant dedans, tu aperçois un adorable lapin volant, tout duveteux, avec de grands yeux noirs. Il a réussi à grimper dans ta sacoche et est occupé à dévorer toute ta délicieuse nourriture que tu as achetée. Qu'est-ce que vous faites ? Je l'ai pas bien emballé, ma bouffe ? Non. Mais tu me saoules ! Il a réussi à choper ce qu'il y a dedans. Mais je suis beaucoup trop incohérente avec toi, c'est pas possible. Bah, je le prends par télékinésie et je le jette loin. Tu fais ça ? Bah, touche pas ma bouffe, c'est sacré ! Ok. Donc déjà, tu as... Enfin, je le jette ! Donc déjà, il a réussi à te manger un repas, donc pas violemment. Tu n'as plus 5 repas, tu en as 4. Et tu envoies le lapin au loin. Bah, il a eu le temps de manger tout un repas. C'est un lapin très, très, très... Ça peut très pas être genre 4,5. Non. Non, et c'est pas de négocier, non. Alors, question. Est-ce que je vois le lapin volant, oui, tu vois le lapin volant, oui. C'est assez visible, ouais. D'accord. Bah, je vais m'envoler et je vais essayer de le choper en plein vol. Ok, fais-moi un jet de vol. Non mais vol. J'ai pas dit qu'il volait, hein. J'ai dit je l'ai envoyé un peu plus loin. Fais-moi hein. Un jet de vol, Festia. Non parce que c'est rigolo d'envoyer. Moi j'imagine le lapin qui vole comme ça. Oui. Jet de vol, c'est un dé combien ? Un. Alors bah tu regardes ta fiche de perso et. Tu sais, il a encore un bout de salade dans la bouche. Et tu as fait un 3. Bon bah tu prends un petit peu d'élan, tu réussis voilà et tu chopes le lapin en plein vol et tu atterris devant un autre poney qui a l'air tout à fait ravissante et toute jaune avec un pelage rose. Fais-moi un jet d'esprit pour voir si tu la reconnais. Oui, d'accord. Bon, ok, tu la reconnais très bien. Tu reconnais tout simplement Fluttershy, qui fait partie des 6. Et elle te dit « Excusez-moi, je vous remercie d'avoir sauvé mon lapin, Angel. Il s'est éloigné tout à l'heure et depuis, je le cherche partout. Oh, » bah, est-ce que nous, on l'entend de là ou pas ? Oui, vous êtes tous à côté, donc... Oui, bah tu ferais mieux de le surveiller un peu mieux, ton lapin. M'a bouffé un repas, tu me dois un repas. Si c'est ton lapin, tu me dois un repas. Mais il voulait juste s'amuser. Je suis sûr qu'il ne l'a pas fait exprès. Ah, Angel, tu l'as pas fait exprès. Et tu vois qu'elle bah le non, caresse. Mais surveille-le et donne-moi un repas. Tu vois qu'elle le chouchoute totalement. Qu'elle le surprotège. Ouais, je lui donne un cookie. Très bien. Tu vois que le lapin se jette littéralement sur le cookie. Ouais, vas-y, le chocolat, c'est un poison mortel pour le tu non, vois que... attends, non. Faut pas confondre c'est avec c'est tout un cookie aux pommes. Alors non, je te garantis que le chocolat est 8 fois plus toxique pour les lapins que pour les chiens. Eh ben c'est un cookie aux j'ai pommes. J'ai eu un lapin pendant 8 ans, je peux te garantir que c'est 8 fois plus toxique. Je me suis renseigné auprès du vétérinaire. Eh ben c'est un cookie aux pommes, parce que j'ai des cookies de plein de parfums différents. Oui. Vous voyez Angel qui vous lance à tous, sauf à toi Festia, un regard noir et des vilaines grimaces. À la prochaine fois, tout en gardant son air mignon, évidemment, parce que c'est un lapin blanc, faut pas déconner. Je lui rends la grimace. Méchant. Donc, Claude Sacha, il reprend. Vous avez l'air très doué avec les animaux. Je crois que mon petit Angel vous aime beaucoup. Oh, ah, oui, oui. Vous devez avoir un petit peu faim. Et vous voyez Angel qui secoue la tête. Je peux vous donner un cookie pour votre repas, du coup, j'imagine. Ça va aller. Maple, je crois que c'est à toi qu'elle parlait. Ah, moi ? Oui, cookie, les trucs aux pommes. Vous vous connaissez, hein, vous êtes amis, hein, donc... Bah oui, dans ce cas-là, tu dis Maple. Tu peux me tutoyer, bah, oui. Non, parce que... Ah, ok, d'accord, si on se connaît bien... Oui, vous connaissez bien, vous êtes amis, hein. Vous venez de... pour mettre dans le contexte, vous venez de découvrir vos marques de beauté, et on peut dire que vous avez découvert ensemble, donc oui. Du coup, tu veux quelques cookies ? Non mais je vais pas te prendre tes cookies, c'est pas à toi de me donner des cookies. Ouais, c'est elle reste... qui nourrit pas son lapin à un moment. M'en reste 39. Je peux vous assurer qu'Angel est nourri tous les jours. Bah faut quand même mieux le surveiller. Voilà. Mais il fait sa vie, Angel. Il est très gentil et très sociable, n'est-ce pas Angel ? Oh oui c'est un bon Angel ça. Et oui c'est un bon Angel. Et oui oui oui. Parenthèse, c'est combien déjà de PO un repas ? 3. Ouais c'est 3. Ça. Oui c'est ça. C'est 3 et un cookie chez donne-moi 3 PO puis on n'en parle plus. Bah tu vois que elle te donne 3 PO et puis voilà. Merci. 273 PO. Voilà. Le poney agressif. Tu vois Fluttershy qui a un petit peu la mine triste et qui commence un petit peu à pleurer. Oh
Bah moi je fais un câlin à Fluttershy. Très bien. Tu vois qu'elle te remercie un petit peu. Non mais c'est pas que je l'aime pas, mais merci, c'est que tu t'appelles comment? Moi c'est Festia. Tu es gentil Festia, merci. Moi c'est normal. Je crois que vous êtes exactement les poneys dont mes amis et moi avons besoin. Nous devons partir pour une mission très importante et nous avons besoin que quelqu'un garde nos animaux en notre absence. Vous voudrez bien nous aider? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci pour vous aider avec la cuisine. Ethel, Electro, Maple? J'étais pas du tout comme ça. Je suis toujours concentré sur le spectacle et je les vois triturer avec les animaux. De quoi vous êtes en train de dire quoi là? On va s'occuper des animaux? Why not? Y'a quoi comme animaux? Moi j'ai un lapin. Twilight, elle a un hibou. Applejack, elle a un petit chien. Arity, elle a un chat. Puis Rainbow, elle a une super tortue. Attendez, ça te cuisine le hibou? Non, elle a pas demandé d'aide pour faire la cuisine. Il faut les garder, les pas animaux. Pas tout de suite, Pesty, pas tout de suite, attends qu'ils partent. Il faut les garder, les animaux. Vous acceptez tous? Bah oui. Bah oui. Ok. Ouais. D'expérience sociale, évidemment. Je parie pas d'expérience. Merci, mes amis. Vous venez me retrouver demain matin chez moi à la lisière de la forêt Everfree. Je vous présenterai à mes amis et à nos animaux. Ils sont ravis de faire votre connaissance. À demain. Et tu vois qu'elle s'en va, qu'elle prend le petit lapin par le col. Everfree. Everfree. Comment dire? À quoi Everfree? C'est pas trop cet endroit. Ouais, mais il y a beaucoup d'animaux. Ça fait peur. Ouais, mais c'est chez Fluttershy. Oui, mais. Bon, d'accord. T'inquiète pas, on pourra les cramer. Tu sais, la forêt, c'est pas très... C'est pas très poney équestria, tout ça. Non, on va pas les cramer. On va juste récupérer quelques échantillons et... Le cuisiner, éventuellement. Comment ça se pire poney tu faire un repas, ma Paul. Ah non, mais vous touchez pas au petit lapin. Non, vous inquiétez pas, je vais pas les toucher. Si vous voulez, mais ma Paul demandait un repas. Crotte de lapin. Vous voyez Fluttershy qui commence à s'en aller, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Skate. Non, on m'appelle. Des jolis papillons. Je continue de regarder mal le lapin. Tu vois que le lapin, en partant, il te tire un peu à longue. Est-ce qu'il y a quelque chose, genre un gland à ma proximité? Oui, tu peux trouver ça. Eh ben, je lui jette dessus. Genre discrètement. Très bien, fais-moi un petit jet de corps, tiens. C'est combien, du coup? D4, tu as D4 encore. Ah bon. Alors, tu vois un gland, sauf que quand tu essayes de lancer, en fait, tu trébuches sur le gland et tu te vautres par terre. Sale. Est-ce que je peux essayer de rattraper? Oui, tu peux essayer de la relever. Oh, bon, oui, bah tu arrives à la... Tu la relèves un petit peu, de toute façon, elle a juste trébuché, hein, donc, voilà. C'est Yel, je suis pas une fille. Oui, c'est Yel, pardon. Du coup, fais ça, tu la relèves, tu dis rien d'autre, tu la relèves et tu te barres. Il dit non, moi, faut faire attention. C'est ce lapin, il m'a complètement déconcentré. Regarde-le avec sa tête de fourbe, là. Mais non, il est gentil, il faut juste faire un peu attention avec lui. Attention, ouais. C'est ce que je recommanderais. Un petit cookie, un câlin et ça passe. On n'a pas trop la même méthode. Après sortir du contexte, évidemment. Mais évidemment. Évidemment. Du coup, c'est tout ce que vous faites pour aujourd'hui. Sinon, vous allez retourner chez vous et vous retrouvez Fluttershy demain. Ouais, je bricole mes machines à fête. Donc pendant que elle part sauver le monde, nous, on sauve ces animaux de la mort. C'est bien? Exactement. Parce qu'en même temps, vous êtes des poneys de niveau 1 et vous ne pouvez pas trop aller sauver le monde par vous-même. Ça, c'est toi qui le dis. Bon bah je te laisse aller combattre des changelins alors. J'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà, exactement. Donc non, fais ça.
D'accord. T'es pas censé le savoir. Peut-être, mais... Puis en plus, je peux spoiler la série si je veux ça, Marie-Charles. Pas de spoil. Du coup, moi, je vais aller voir le saltimbanque et je vais négocier avec lui si ça l'intéresse d'acheter des feux d'artifice. Financer mes recherches. Oh, le mec. C'est vrai qu'un saltimbanque, en général, ça a du budget pour acheter des choses. Bien sûr. Donc, tu vas aller le voir et tu vas me faire un dé de charme. Dé de charme. D6. Pour toi. Ouais. 3. 3, bon. Tu vas vers lui. Qu'est-ce que tu lui dis exactement? Bonjour. J'ai vu que votre spectacle était particulièrement intéressant. Est-ce que cela vous intéresserait de... Je suis prêt à vous offrir des feux d'artifice si... contre une petite rémunération. Est-ce que cela vous intéresse? Cela peut apporter une grandiloquente à votre spectacle. Tu lui proposes quoi, c'est à couper? Des feux d'artifice. Tu lui proposes des feux d'artifice? Ou tu veux qu'il te vende des feux d'artifice? Non, je vais lui en proposer. De ma création. Bien, oui, mais il marche bien vos feux d'artifice ou... Approuvé par tout poney qui se respecte. Ambiance garantie. Bon bah il te dit bon bah on en rediscutera, venez me rencontrer dans ma... Bah sous la tente là-bas. Ok, très bien, je vous suis. Parce que c'est un saltimbanque. Donc voilà, il te donne un rendez-vous, ça sera dans quelques jours. D'accord. Hé Electro. Voilà, donc j'imagine que là vous retournez tous chez vous, Non, moi je parle à Electro là. Oui, Facebook, donc tu t'avances vers Electro et qu'est-ce que tu lui dis? Je te dis, moi les articles de fête et tout, bah c'est ma spécialité. Et si tu veux, j'ai un gros canon lance-confetti et lance un feu d'artifice à répétition. Ah ouais, ça peut être intéressant ça, on mute ça avec mes feux d'artifice et paf, ça donne... Si tu veux, on peut l'essayer cette nuit, on fait tout péter. Ah oui, on fait ça. Ah ça c'est drôle. Est-ce que je les entends? Oui, tu les entends. Je me joins. On les entend tous ou pas, en fait? Vous êtes tous à côté, donc oui. Si j'entends tout péter, je suis avec eux. Et elle, toi, tu fais quoi? Moi, en fait, j'ai commencé à m'éloigner du groupe pour suivre un papillon que j'avais volé. D'accord. Qui était au-dessus de la victoire. Vous voyez, Ethel, votre fidèle ami qui commence à partir, il y en a un qui la rattrape ou... Non, moi je voudrais juste demander à Electro s'il y a moyen de glisser du poil à gratter dans ce feu d'artifice, de manière à arroser les gens. Est-ce que ça porterait un superflu? Non, mais ça ferait rire les gens. Ethel est en train de partir, si personne ne la rejoint... Hé, Ethel! Oui? Il y a des papillons là-bas, viens! Papillons, où ça? Des étoiles aussi? Des papillons étoiles? Mais il faut attendre qu'il fasse nuit pour voir les papillons. On a des trucs rigolos à te montrer. Bah oui, mais la nuit, moi je regarde le ciel et... Bah les papillons seront dans le ciel. On va polluer son ciel. Oh putain, ouais. Très bien, donc vous êtes tombé le soir, vous êtes le soir, il n'y a plus personne dans les rues. Comment vous mettez le truc en place? Bah, je vous avais tous chez moi. Faire de la délinquance juvénile. En fait, le problème, c'est que le canon, on peut pas vraiment le déplacer vu qu'il fait limite partie de mon chez moi en fait, tellement il est gros. Il est dirigé vers le ciel, donc en fait, quand vous rentrez chez moi et que je vous emmène dans l'arrière-boutique, parce que je tiens une boutique d'articles de fête très particulier, très steampunk, et ben vous voyez un énorme canon. Pareil, en typé vraiment bronze, steampunk à mort et tout, avec qui a l'air un peu incompréhensible, car c'est un peu sa propre technologie à elle. Et du coup, t'as des feux d'artifice? Ouais, on va essayer les tiens. Ouais. On va essayer les tiens, du coup. Et du coup, est-ce qu'il y a moyen de s'arranger avec mon flacon pour la gratter? Mais ça va pas faire grand-chose, en fait. Vous êtes sûr que ça ne va pas arranger les gens? Bah, ils risquent de cramer en plein vol, quoi. Ah. Ouais, c'est pas drôle. Du coup, je vais mettre des confettis avec. Ouais, bonne idée. Enfin, les confettis vont cramer, mais... Non, ils sont ignifugés. Ah, bah super. Je suis une professionnelle.
Je m'approche du canon et je mets les feux d'artifice dedans. Eh, tu peux y aller, hein, il est énorme. Du coup, on commence à bourrer le canon de feux d'artifice. Autant à lui qu'à moi, d'ailleurs, parce que moi, j'en produis aussi. Ça va être impressionnant, ça. Bon, ça va réveiller tout le monde, et tout le monde va pouvoir voir ça. Bon. Non, est-ce que je peux être, genre, très loin, mais avoir installé le télescope pour observer leur... Très bien, tu l'installes où, le télescope? Sur un toit en face? Loin d'eux. Ok. Très loin d'eux. Tu te mets sur un toit en face et tu les observes. Qui allume la mèche du canon? Qui a envie d'entrer dans le canon? Non, déjà, qui met les feux d'artifice dans le canon? Moi. Je pense que c'est Electro et moi, en fait, on le garnit bien. D'accord. Qui a envie d'entrer dedans? Vous allez... Moi? Déjà, non, déjà, vous allez me faire un jet de corps. Est-ce qu'on peut dire, parce que moi aussi, mon perso, c'est assez scientifique, est-ce que je peux, genre, pour la science, me mettre dans le canon? Alors, attends. Après. Pour la science. Electro et Festia, déjà, vous allez me faire un jet de corps pour voir si vous arrivez à mettre les feux d'artifice dans le canon. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que... Pour savoir si vous êtes doué ou juste pas. Juste pour qu'on rigole. Mais j'ai fait un, donc, j'ai fait deux. Festia, tu te rétames la gueule en redescendant. Bon, d'accord. Bon, il y a voilà, qui va rentrer dedans, du coup? Tu te casses la gueule, c'est gratuit. Moi, moi, pour la science. Et du coup, je sais plus, est-ce que t'as des ailes ou pas? Electro et Maple, vous voulez rentrer dans le canon? Non, j'ai pas d'ailes. Moi, Electro, tu me rattrapes au cas où ça se passe mal. Il vous faut un sac comme ça, alors. Alors là, je vais commencer à les équiper. Ok, donc tu les équipes, ok. Donc je leur mets un casque. Ouais. Un casque, tu sais, un peu comme le cliché du canon. Oui, oui, mais non, si je mets un casque, je saurais pas ce que ça fait sur ma tête. Du coup, ça c'est le sac, faut tirer sur les ficelles dès que t'es en l'air, sinon tu vas mourir. sinon ça va faire bobo. Faut aussi mettre un petit bitonio, un petit couvercle qui fait que quand ça va s'allumer, ça ne va pas te brûler les fesses. Enfin, ça va pas te brûler tout court, en fait. Sinon, tu risques pas de mourir. C'est génial. J'ai essayé deux fois, ça a raté une fois. Donc, moi, j'ai des ailes, mais je sais qu'une fois, ça a raté et ça m'a cramé les fesses. Donc, attention. C'est expérimental encore. On lance le canon. Oui, vous lancez le canon et tous ceux qui sont dans le canon, faites-moi un jet de corps. Mais moi, je suis dans le canon ou pas? Je l'avais demandé. Mais... Tu veux aller dans le canon, Pesti? Bah oui. Ok, bah vas-y, fais-moi un jet de corps aussi. Donc vous êtes trois à me faire un jet de corps. Donc ce qui se passe, c'est que Pesti, tu as fait un. Quand le canon explose, tu voles, mais en fait, tu voles pas suffisamment et tu te tapes le bas de la fenêtre. Donc tu es à terre et tu sens une vive douleur au niveau de ta corne. Alors juste le canon il dépasse de mon toit tellement il est gros. Hein. Juste... Ah donc, d'accord ok. Donc du coup ce qui se passe c'est que en fait tu tombes en bas en fait, tu tombes au sol. Mais fallait tirer sur la ficelle. Et Maple tu as fait deux. Tu fais un peu mieux que Pesti, sauf que toi tu atterris sur un toit en face et tu t'écrases contre le toit en face. Parce que j'ai cassé le toit en face. Non, mais tu tombes à quelques centimètres. Tu tombes à quelques centimètres d'Ethel. J'imagine même. Donc Ethel, tu vois apparaître Maple juste en face de toi à quelques centimètres de tes sabots, qu'est-ce que tu fais? Salut, comment on se retrouve? Ça va? Quelle belle soirée, n'est-ce pas? Du coup, Maple et Pesti... Je vous ai vu voler. J'observais au loin. Ça marche bien. Hein. Maple, tu vas perdre 2 points de vie, donc tu es à 8. Moche. Tu veux une pomme? Et Pesti aussi. Tu es à 8 aussi. Okay. Un peu la tête qui tourne, je t'avoue. Ah, repose-toi et regarde les étoiles avec moi, tu verras. Ils avaient oublié de tirer sur la ficelle. Je tombe vers Testia, c'était parfait. Là, on a mis le ciel en feu, là, c'est un master feu d'artifice, là. Donc oui, en effet, vous avez réussi à déclencher votre feu d'artifice, donc les villageois se réveillent, et tout le monde vient voir. Puis vous voyez aussi un petit arc-en-ciel qui se bat entre le feu d'artifice. Po, po, po.
C'est peut-être Rainbow Dash. Oui, en effet, c'est Rainbow Dash qui se pointe devant, enfin à côté de ton canon, Festia, qui te demande « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a aucune fête qui est prévue aujourd'hui ?» Ah, on a voulu faire péter mon canon, c'est tout. Bah oui, mais les canons, c'est pour les fêtes, là. C'est pas le jour, c'est pas le moment. C'est toujours la fête. Bah non, mais c'est moi qui suis responsable des nuages. Après les nuages, ils vont faire n'importe quoi. Et c'est encore moi qui vais tout réparer. Bah, voilà. Du coup, il y a plus de nuages, du coup. Bah oui, mais après, ils vont revenir et ça va pleuvoir. Tu leur dis poliment qu'on s'amusait et qu'il n'y a pas de raison qu'ils aient peur, c'est tout. Mais c'est pas une question d'avoir peur. Mais c'est n'importe quoi. Je pourrais t'aider à nettoyer le ciel. Délinquant juvénile, tout à fait. Les gens dans quel monde vit-on? On est à Equestria, on n'est pas en Chine. Non, mais pour les politiques. Expérience réussie. Mais et c'est là que Rainbow Dash se rend compte. Mais ce serait pas vous que Fluttershy a rencontré tout à l'heure? Oui. Est-ce que ça fait quoi si c'est nous? Ça fait que je vais peut-être pas vous demander de garder mon tank, moi. Oh, alors non, c'était pas nous. Tank, c'est le nom de sa tortue, si jamais. Moi, je veux bien garder un gros char. C'est une tortue. C'était pas nous, on était... Non, nous, on était ailleurs. Hein, les gens? On était ailleurs. Bah oui, moi, je vous conseille d'aller tous vous reposer si vous voulez que Fluttershy vous fasse confiance. Oh, bah moi, je crois que je suis au repos, là. Je confirme. Oui, moi je suis à moitié sonné, donc je vais vite m'endormir. Y'a qui d'autre qui s'est envolé derrière quelqu'un qui s'est envolé correctement ou pas? Non. Oui, moi, j'ai atterri sur le toit d'en face. En théorie, c'est moi qui ai gagné. Personne n'a fait un assez beau vol plané. Si vous voulez, on peut retenter. Là, ah ouais. Tu croises... Alors Festia, tu croises le regard noir de Rainbow Dash. Oh, ok. Fais-moi un jet de charme. Je vais en faire un aussi. Comme dit le dicton, la nuit porte conseil. Oh bah j'ai fait un alors là. Donc tu vois Rainbow Dash qui te juge et tu te sens mais confuse. Tu as la goutte qui te coule à la tempe. Ah bah, si on peut appeler ça comme ça. Je me fais toute petite. Très bien. Donc vous allez tous vous coucher a priori. Et vous retrouvez le lendemain. Personnellement, je me couche plutôt tard pour les étoiles. Très bien. Mais j'arrive à me lever. Mais tu arrives à te lever et vous retrouvez donc devant la maison de Fluttershy parce que vous voulez tous essayer de vous racheter de par la bêtise que vous venez de causer en ville la nuit dernière. Mais c'est pas une bêtise, c'est une expérience. Oui, voilà. C'était une expérience scientifique menée de manière rigoureuse. Oui, oui. Par des étudiants. Et totalement conventionnel. Le truc. Alors désolé, je sors un peu du RP là. Mais j'imagine la scène du canon qui tire des poneys. Avec un personnage qui fait. Non, juste devant. Oui, avec l'autre, avec son télescope qui fait le. Mais parfait, ça ne fonctionne pas. Et moi juste derrière en train de noter les résultats en mode. Parfait. Donc, vous êtes, pour la plupart, à peu près tous réveillés devant la maison de Fluttershy. Qui rentre en premier, qui toque, qui va frapper? On est d'accord que j'ai ramené l'ail pour mettre dans la poêle. Ah, vous avez tout... Moi, je suis en retard. Vous avez moi, tout, j'arrive en retard. Toutes nos affaires. Sauf la mia qui a toujours que 4 repas. Je peux même pas en avoir acheté un au passage sur la route? Non. Genre, heureusement. Je me sens lésé. Non, parce que le marché, c'est que 6 jours sur 7. Donc, bref, vous êtes devant la maison de Fluttershy. Quoi faites-vous? Qui toque en premier? Qui prend les devants? Pas moi, parce que je suis un peu gêné. Je suis trop timide pour le faire aussi. Je pousse. Je prends un coca pour me réveiller le matin. Bon, bah, ma poêle, je crois que tu vas t'y coller. Non, ah non, moi je dors. Je dors. Ah non, tu t'es levé aussi, ma poêle. Oui, je me suis. Tu sais qu'un poney, ça peut dormir debout. Moi je suis derrière tout le monde, encore endormi, les yeux, j'ai juste mes lunettes qui sont de biais, tu vois. J'ai les yeux fermés et je suis debout en train de dormir, tu vois, mais genre je suis, tu vois. Ouais. Je vais m'approcher de la porte et toquer. Ok, donc Electro, tu tapes à la porte.
Et déjà, tu entends des petits bruits de lapins qui couinent. Et tu vois Fluttershy qui vient t'ouvrir. Oh, je suis bonjour, si contente que vous pour ayez les pu venir. Entrez, entrez, que je vous présente mes amis. Tu vois qu'elle te laisse même pas le temps d'en passer une. Elle te fait entrer en baissant la tête, parce qu'elle est un peu gênée, mais voilà. Moi, ça doit être ici. Et oui, en effet, tu vois un ours qui boit du thé, un oiseau par-ci, enfin plusieurs oiseaux d'ailleurs par-ci par-là. Je vais m'approcher, je vais faire chine avec lui. Avec ma tasse de café. Tu vois que l'ours a à peu près le même regard fatigué que Maple. Il est autant réveillé qu'elle. Ouais, je chuchote dans l'oreille d'Electro. Tu crois que c'est à cause du feu d'artifice? Mais non. Et vous voyez par contre les 5 autres licornes, les 6 qui font partie du groupe, qui sont juste à côté avec leur animal respectif. Et toi, Xpercut, qui s'avance et qui présente voici mon hibo, Holowicius. Dis bonjour, Holowicius. Je suis désolé, mais ce nom il me fait beaucoup trop rire. Il est très bien élevé. Il adore qu'on le gratte la tête juste derrière les ailes. Et ses friandises préférées sont les souris en chocolat. On lui gratte la tête juste derrière les ailes. Oui, Spike est en effet là, juste à côté de Twilight. Il y a aussi Applejack qui présente son Winona, un petit chien marron et blanc avec un collier rouge doté d'une plaque dorée portant son nom, bondit joyeusement autour des jambes d'Applejack. Je vous conseille de prendre des notes pour le coup. Elle vous conseille de lui donner un os à ronger. Tu dors, mais tu vois qu'il y a Applejack qui vient vers toi et qui te réveille. Non, Pinkie Pie qui avance vers toi et qui te réveille en te faisant pouette un gros truc de fête. Et donc tes tympans se font vriller en mode. C'est l'heure de se réveiller. Coucou Pinkie Pie. Il y en a qui ont mal dormi cette nuit. Maple, comment tu réagis? Je réagis pas, j'ai le cerveau éteint. Laisse-le démarrer, en fait. Non. Elle t'a réveillé de force, là. Elle m'a réveillé. Bah, tu vois que c'est en train de boot, ça y est. elle continue. Réveille-toi. Elle en dit encore 3, je te jure, j'y mets un coup de sabot. Réveille-toi. Bon bah, il est parti, hein. Ok, fais-moi un jet de corps. Donc là, tu vois, t'essaies de lui donner un coup de patte, mais genre t'essayes, mais mollement. Et elle continue en mode allez, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller, la journée est belle. Il y a les oiseaux qui chantent. Pinkie Pie. Ouais, je vais l'adresser. Festia essaie de me faire un jet de charisme pour essayer de. Pinkie Pie, est-ce qu'il t'a plu le feu d'artifice? Quel feu d'artifice? C'est génial, les feux d'artifice. Moi, j'adore les feux d'artifice. J'en ai organisé souvent des feux d'artifice. Est-ce que j'ai le droit d'essayer de lui mettre du poil à gratter un petit peu? Ouais, ça va être compliqué avec tous les autres qui te regardent, les 6. Non, mais Pinkie Pie, si tu préfères, c'est une boule rose qui saute partout. C'est ça. Donc si tu souhaites l'atteindre avec ton poil à gratter, je te souhaite bon courage. Bon courage, oui. Et Pinkie Pie, bah, si vous préférez, c'est la fêtarde par excellence. C'est pour ça que d'ailleurs, je lui demande pour le feu d'artifice d'hier soir qui a réveillé toute la ville, quoi. Mais étonnamment, elle a pas l'air d'en avoir entendu parler. Étonnamment. C'est bizarre. Voilà. T'es sûr? Parce que il a quand même illuminé toute la ville hier soir, t'as raté. Ah mais je devais bien dormir alors. Là tu vois le regard de Rainbow Dash qui disait ouais, elle était très fatiguée. Dis, si tu veux, je te ferai voler avec mon canon à fête. Ah ouais, on fait ça quand. Tu vois, Rainbow Dash qui arrive et qui dit à Pinkie Pie, allez Pinkie Pie, on a une mission là, allez viens. une prochaine fois. Oui. Là, je regarde les autres et je sens leur regard désapprobateur. Non, moi je l'encourage. Non mais je parle pas vous, je parle du main six qui est derrière, enfin les héroïnes. Les héroïnes. Les zéro. Ouais.
C'est le main six, son... le regard désapprobateur typique de celui de Rainbow Dash de la veille. Je te regarde et je me sens un peu intimidé, tu vois. Genre comme si, si j'avais parlé trop fort d'un truc que normalement j'aurais dû lui dire tout bas, tu vois. Exactement, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement la situation en fait. Donc là, vous voyez qu'Apaliac reprend, donc elle présente son petit chien qui s'appelle Winona, qui adore ranger les os. Du coup, il y a Pinkie Pie qui présente son petit Gumi. C'est un petit crocodile, il est tout mignon. Et il aime bien que vous lui donnez des gâteaux et des poissons, et que son jeu préféré, c'est Snap, bien sûr. Et là, il y a Rarity qui... Comment tu dis qu'il s'appelle ? C'est Gumi, le crocodile. C'est Gumi, ouais. Mais il est très... En fait, si vous préférez, il est très amorphe. Oui, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, il en a un peu rien à branler. Il a pris la drogue. Clairement. C'est tout l'inverse. Voilà, c'est l'inverse de Pinkie Pie, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il aime bien manger ? Des gâteaux et des poissons. Gâteaux et poissons, très bien, je note. Un crocodile qui mange des gâteaux. Chut ! Oui, il adore ça. My Little Pony. Ouais, je lui mets un petit chapeau de fête sur la tête. Donc là, il y a Rarity qui arrive et qui présente son opalescence. C'est un chat blanc, très sensible. Vous devez prendre bien soin de cette petite bichette. Elle ne mange que des meilleurs plats pour des chats que vous... pour les chats, et vous devrez la brosser régulièrement, comme elle adore. Parce que c'est une duchesse. Vous voyez duchesse ? Duchesse dans les 101 Dalmatiens ? Non, c'est dans les 101 Dalmatiens, j'ai un doute. Non, les Aristochats. Non, les Aristochats. Vous voyez duchesse ? Moi, c'est un peu pareil. Les meilleurs plats, c'est-à-dire ? Ah, mais le meilleur plat, il faut que vous vous surpassiez pour qu'elle adore et pour qu'elle soit heureuse. Elle a des préférences sur ce qu'elle veut. Non, il faut juste que ce soit exquis, il faut juste que ce soit parfait. Très bien. C'est noté. C'est Rarity, si vous voulez, c'est un peu la... celle qui est un peu à but d'elle-même, qui a fond sur la mode. Qui a fond sur la mode. Disons que c'est le gros cliché girly. C'est ça. Le gros cliché de la fille parfaite avec des fossiles. Même si, selon moi, c'est un des meilleurs personnages de la série, j'expliquerai peut-être pourquoi plus tard. Oui, on parlera de ça à la fin. Il y en a plein de gens qui ont des fossiles chez eux. C'est joli, les cailloux. Les colonistes aussi ont des fossiles. Oui. T'es con. je suis d'accord avec Pestiland, les cailloux fossiles, c'est bien. Oui. Moi, je la comprends. Vous voyez Rainbow Dash qui arrive derrière et qui présente son tank. Dis bonjour à nos nouveaux amis. Il faut lui donner plein de laitue et les sortir faire un tour dehors. Il sera comme un coq en pâte. Et vous voyez une sorte de tortue en fait avec une fucking hélice. Donc c'est une tortue qui vole en fait. C'est une tortue extrêmement lente, tout l'inverse de Rainbow Dash. Exactement. Et vous voyez donc Fluttershy. Donc il vous représente son petit Angel, le petit lapin blanc. Il est tellement adorable, il lui faut juste quelques carottes bien juteuses qu'on lui brosse délicatement la queue et qu'on lui fasse plein de câlins et on lui parle gentiment. Sinon il va être très gronchon. Moi je vais m'occuper de lui, je pense. Mais je suis pas sûr que les autres seront. Ok, donc toi tu t'occuperais d'Angel. Oui. Moi je vais m'occuper du crocro. Donc Pestilence, tu t'occupes du crocro. Qui s'occuperait de la duchesse ? Je veux bien m'en occuper. Tu t'occupes de la duchesse ? Bon, elle va mettre des poils blancs sur ma robe noire, mais c'est pas grave. Qui s'occupe de Tank, l'animal de Rainbow Dash ? Je prends le Tank. Moi, en fait. Non, hein ? Bah, je prends le Tank. Attends, il reste le choix entre quoi et quoi ? Il reste Hollowicious et Winona. Un petit chien, un hibou et une tortue volante. Je prends la tortue. Ok. Oh, je vais prendre la tortue. Bah, il te reste Hollowicious, l'animal de Twilight Sparkle, qui est quand même une alicorne, ça serait quand même le prestige, hein. Et Winona. Et c'est quoi, c'est un hibou son truc ? Ouais, un hibou qui a pas l'air de broncher trop. Il a dis-moi si je me trompe, Festia, mais il est un petit peu amorphe comme le croco, hein. Le hibou il fait pas grand chose, hein. Ouais, on est d'accord. Parfait, là, prends le hibou. Qui s'occupe de Winona ? Yeah. Demande Applejack. Bah, oui, Pas tous à la fois ? Pas tous à la fois, ouais.
Je le prends. Tu le prends aussi avec la tortue? Ouais. Il s'appelle comment le... Sachant que officiellement, enfin, vous gardez tous ensemble tous les animaux, hein. C'est juste pour que ça soit plus facile. Oui, en focus. Donc vous allez tous bien vous occuper de tous ces petits animaux tous ensemble. Et vous voyez donc les 6 qui vous recommandent les nécessités, leurs besoins et tout ça. Tout est noté, t'inquiète pas. Oh, moi je lui fais des câlins. Voilà. Et donc elles s'en vont pour leur mission, Spike sur le dos de Twilight, et elles s'envolent vers des aventures incroyables. Juste avant que Twilight Sparkle vous dise, nous vous remercions du fond de cœur pour avoir si gentiment proposé de vous accoper de nos animaux en notre absence. Nous leur avions promis une fête, et grâce à vous, ils vont l'avoir. Oui. Donc vous allez devoir une belle expérience. Vous allez devoir organiser une fête pour ces animaux. Moi, je vais faire un aller-retour chez moi pour aller chercher toute l'artillerie lourde. Bah, là, c'est tentant, vous êtes avec les animaux, vous devez vous organiser. Bah, je les prends avec moi, je l'emmène avec moi, les tilapins, puis on va faire un aller-retour chez moi pour prendre tout plein d'accessoires de fête. Très bien. Qu'est-ce que non, tu mais peux on est 5, tu peux le laisser à la maison le temps que t'ailles chercher ton truc. Je peux bien, si tu veux, je peux m'occuper de ton lapin en attendant que tu vas chercher tes objets. Bah oui, voilà. Oh, d'accord, pas de soucis. Très je bien. Reviendrai avec une charrette. Donc tu laisses Angel et tu vas chercher tes affaires, c'est ça? Je peux bien m'occuper d'un chat et d'un lapin. Bah, je vais laisser Angel. Ça dépend comment il réagit si je le laisse aux autres. Bah là pour l'instant tu le laisses, t'as pas l'impression qu'il va mal réagir ou quoi. Enfin, d'accord. Il est plus emmerdé à prendre un poney au hasard et à lui tirer un petit peu la crinière. Oh d'accord. Tiens d'ailleurs, aïe. Parenthèse, tant que j'y suis, est-ce qu'il y a un lustre au plafond? Festia, je pense que tu saurais bien répondre à cette question que moi. Un lustre au plafond, on est dans la maison de qui? De Feu Torchaï, on est d'accord, c'est pas l'essentiel. Ouais, ça m'étonnerait. Non. Ouais, on est d'accord. Donc y a pas de lustre. Ok, est-ce qu'il y a un truc en hauteur dans cette baraque? C'est assez bas en fait. Ouais, c'est une maison basique quoi. C'est une maison genre inaccessible à ces 10 animaux. Quoi? Est-ce qu'il y a un truc, un meuble ou avec un truc assez haut pour que ce soit inaccessible à ces animaux? Il doit y avoir une commode ou un truc comme ça, ouais. Une étagère, enfin un truc assez haut, oui. Ouais. Bon bah je télékinétise mon sac là-haut. Ton sac là-haut? Ouais, je prends pas de risque, je l'éloigne de tous ces trucs. Ok. C'est vrai qu'il y a de lapin, c'est pareil. Alors fais-moi un jet d'esprit. Yay! Bah, pareil, il y a le lapin, hein. J'ai pas confiance au lapin. Tu mets tes affaires en haut, donc tu veux utiliser ta télékinésie? Oui. Ok. Tu as un d'esprit aussi, je crois. Moi, le sac, je le mets en haut et sans le renverser. Tu vois. Ah bah tiens, regarde. Ok, alors, ce qui se passe. Donc, Maple, tu as réussi à merveille à mettre tes affaires en hauteur. Pestilence, au moment où tu concentres ta magie dans ta corne, il y a une explosion qui se produit. Mais pourquoi? Pourquoi elle a fait 5? Parce que ta corne est brisée, je te rappelle. En fait, tu te rends compte, Pestilence, que ta corne est brisée. En fait, Pestilence est un petit peu amnésique. Ah oui. Et du coup, t'avais totalement oublié que ta corne était brisée. Et il y a une explosion qui se crée au niveau de sa corne. Et il y a tous les animaux qui prennent peur et qui s'éloignent de la maison. Alors, je me retourne et je fais... Mais la porte est fermée, comment ils s'éloignent? Non, ils se cachent dans la maison, pardon. Ah oui, ouais, ils s'éloignent pas de la maison. Bon, bah ça va, ils vont bien finir par revenir quand ils auront faim. Non mais faut dans leur habitat naturel. Festia, tu es déjà parti ou pas? Je suis parti très vite moi. Ok. Angel, comment... tous ces animaux connaissent cette maison. Oui, mais faut aller les chercher. Attends. Angel commence à être impossible à surveiller, absolument insupportable. Il vance de grosses fraises, bondit de très haut, atterrit sur une étagère et bouscule tous les livres qui se trouvent dessus, qui tournent comme des dominos. Le livre du bout bascule en bas et l'étagère tombe sur Tank, déclenchant le rotor. La tortue file à travers les airs, elle traverse une vitre et s'envole dans le ciel. Winona lance un aboiement d'avertissement et saute par la fenêtre cassée pour aller sauver Tank. Wolobicius pousse des cris aigus et pris de panique s'envole vers la cheminée dans un nuage de suie qui fait éternuer Gumi dont les mâchoires se referment sur la queue d'opalescence qui s'agitait juste sous son museau. La chatte bondit sur un miaulement de panique, toute griffe dehors, et déchire le rideau de la fenêtre le plus proche de vous. La tringle se décroche et fait basculer un placard. Vous allez tous me faire un jet de corps.
pour la commode. Bah, sauf toi, Festia, qui est parti. Mais t'es moche, Rito. Pour quelle raison? Parce que la commode est en train de... Il y a une putain de commode qui est en train de tomber sur vous. Moi, je la regarde, je fais un pas de côté et elle tombe à côté. Aucun problème. Vous arrivez à peu près tous à esquiver la commode. Et donc, vous voyez la maison qui est sans dessus-dessous. Et tous les animaux se sont barrés. Oui, non seulement parce qu'Angel... Angel a fait le con, littéralement, mais en plus parce que Pesty avait oublié que sa corne était cassée. Non, mais ils sont restés dans la maison. Non, ils sont barrés. Non, il y en a qui sont barrés par la fenêtre, il y en a qui se sont barrés par la cheminée. Ils sont tous barrés. Comment tu sors par une cheminée? Bah, le piaf. Avec des ailes. Avec des ailes. C'est trop petit. Mais non. Ah, non, ça fait presque un mètre d'envergure. Mais non, mais là c'est un petit hibou. Ça dépend. La chouette est vraie, elle fait que 300 grammes par exemple. Et voilà. Elle fait pas un mètre d'envergure. Voilà. Le petit duc, pas bien grand. Alors, moi j'entends l'explosion ouais. Hein, quand même, parce que je viens ouais. de partir. Pour te rassurer, Pestilence, ça sera arrivé même si t'aurais pas fait exploser ta corne. Bon, de toute façon, c'était une surprise, c'était fait. Voilà. Exactement. Je jure, quand on les ramène. Donc, oui, Festia, tu entends cette explosion, tu es à quelques mètres de la maison de Flutter Shy, et tu vois tous les animaux qui s'éloignent de la maison. Alors, je commence à courir après Angel, en tendant des cookies, il dit Angel, câlin, cookie, reviens. Alors. Angel, j'avoue que le crocodile va pas être compliqué à rattraper. Ça en 2 minutes. Angel fuit vers la forêt d'Everfree. Oh bah là je m'arrête et je fais demi-tour. Donc tu retournes peur. Voir tes copains. Oui, je veux pas y aller. Et juste une question. Oui. Il y a plein de racines là-bas. Le lapin, il a l'habitude de sortir. Bah, parce que s'il y a du bruit dans la rue, en théorie, il va pas fuir longtemps. Non, mais, hein. Non, vous êtes pas dans la ville. Vous êtes pas dans la ville, vous êtes à l'orée de la forêt. Oh putain. Quelle idée d'habiter à la campagne. Donc, là, qu'est-ce que vous faites? Festia vient d'arriver sur les lieux du crime, on va dire. Bah, déjà, on rattrape le crocodile qui a fait 4 mètres de fuite. Parce que bon, bah, ouais. C'est un crocodile, ça court je pas vite. Mon ça peut juste pas courir vite. Oh, tu peux être surpris par. par télékinésie. Tu peux être surpris par non, mais même, c'est biologiquement pas fait pour courir vite, donc... Nous quoi sommes que dans vous, le monde de My Little Pony, Maple, nous sommes dans le monde de My Little Pony. Mais ces membres, ils sont pas faits pour. Non, mais... Ouais, par contre, je suis d'accord, oui. Comment il s'appelle, Gummy, Non, mais oui, tu peux le rattraper, lui, donc, quand même. Le machin, même s'il fuit, il a fait 12 mètres. La piste mène vers la rivière qui coule vers le sud, dans la forêt... Et donc, il s'avance aussi, lui aussi, dans la forêt d'Everfree. Enfin, il va pour y aller, quoi. Et disparaît au niveau du cours d'eau. Bah, la tortue, elle a pu fuir aussi. Parce que tout le monde, tous les animaux. Non, mais de ce que t'as dit, l'armoire lui tombait sur la gueule. Non, il s'est barré aussi. Mais la tortue, elle a une hélice. Elle est rapide, comme une flèche. Ah, donc elle a eu le temps de se barrer de l'armoire qui tombe. Par contre, Gummy, je suis dehors, je peux le rattraper. Voilà, donc tu le récupères, facile. Et tu le ramènes dans la maison. Vous avez récupéré un animal. Donc c'est ok, comme... donc j'ai un plan. Tu as un plan. Vous allez chercher les animaux et je barricade la maison comme ça quand ils reviennent ils peuvent plus sortir. Ouais, tu répares le rideau au passage et tu remets l'armoire correctement. Oui, bah moi je répare la maison pendant que... temps. Ouais. Sachant que vous avez du temps, vous pouvez très bien tous aller chercher les animaux et réparer la maison après. Ils ne se barreront pas après, je vous le dis. Donc je le répète, vous allez chercher. non mais ils se barreront pas après. Une fois qu'ils seront capturés, c'est bon. Mais du coup, il est là, Gummy. Moi, est-ce que je peux reprendre Gummy? Je l'aimais bien. Oui, tu peux reprendre Gummy, oui. Tu peux le mettre sur ton dos. Bon, du coup, qui dans l'équipe a la capacité de voler? Toi. Moi, Ah non, pas tu toi. Tu vas m'accompagner, on va aller voir dans le ciel, on va voler au-dessus et on va voir si on trouve les deux qui ont la capacité de voler. Vous voulez faire un tour de la maison pour voir ou pas? Bah, y a pas bien le choix. Bah, ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Donc, vous voyez une série d'empreintes de lapins qui part de la châtière qui mène au sud-ouest dans la forêt d'Everfree. Vous voyez aussi un ruban violet qui est accroché à un buisson près de la maison. Une traînée de suie part de la maison et est menée à l'est dans la forêt d'Everfree.
Au loin, au cœur de la forêt d'Everfree, au sud, il y a un nuage de fumée qui monte dans les airs. Et encore plus au loin, à l'ouest, à la forêt d'Everfree, on entend à peine des tristes hurlements de chiens. Ouais, donc ils sont tous partis dans la forêt, quoi. Non, pas tous, t'as pas... Bah t'as dit au nord de la forêt, au sud de la forêt, oui. Et à l'est de la forêt, donc ils sont tous partis dans la forêt. Oui, il y a un ruban violet qui est craché, qui est accroché dans ouais, le ruban violet, c'est ce que de celui qu'on a déjà récupéré. Non, vous n'avez pas encore récupéré le ruban violet. C'est lequel qu'on a... C'est Winona dans la forêt, là. Et Angel. C'est lequel qu'on a déjà récupéré, c'est... C'est Gumi. Ouais. Je leur rappelle les noms. C'est le croco. Pour que tout le monde sache, vous connaissez tous la forêt d'Everfree. Vous avez tous entendu des légendes sur cette forêt, des légendes totalement variées et différentes. Elle vous fait peur, clairement. Mais est-ce vous n'avez pas bien le choix. Mais vous savez pas ce qu'il y a dedans. Bah, en théorie, avec électronique, on n'est pas censé en prendre compte, étant donné qu'on est une âme de scientifique. Oui, mais nous, voilà. Tant qu'on n'a pas observé... Oui, voilà. Morgan, tu peux nous conter une de ces légendes. Il y a très longtemps. Ouais. Il y a très longtemps, apparemment, il y a eu un poignet qui s'est perdu dans cette forêt. Et le pauvre. On l'a plus jamais revu. La seule chose qu'on a revu, c'est son petit animal qui est revenu, mais il était pas totalement pareil. Genre, il semblait à un ours, mais un peu démoniaque. Des gens se perdent tous les jours dans les forêts. J'aime bien cette forêt. Bah attends, moi je propose, on se sépare. On fait des groupes, on se sépare. On est où séparés ? On se sépare. Ouais. Ouais, pourquoi pas. On fait des groupes. Moi je vais dans la forêt. Moi aussi. Je vais aller dans la forêt. Mais vu qu'avec Liana on a partagé une expérience de type crash sur son toit, ça te dit on fait un groupe ? Moi ça me va très bien. Moi je vais avec Pips dans la forêt. Ouais, bien, moi je vais avec Maple. Pivis qui s'attendait pas à l'expérience. Non. Donc, Festia, tu vas à la forêt ou tu restes avec Ethel et Maple? Moi, si je peux éviter d'aller dans la forêt, j'éviterai parce que il y a des racines. Très bien. Donc, Electronique... Festia, on te laisse celui qui a priori est resté dans le jardin et nous on se divise en deux équipes pour aller dans la forêt. Donc Electronique et Pestilence qui vont dans la forêt et Ethel, Festia, Maple qui essayent de chercher Opalescence. Moi j'ai une idée, mais je veux bien aller dans la forêt d'Everfree, mais d'abord je vais chez moi prendre quelques petits trucs. Tu peux nous prendre une arme? Moi je récupère mon sac à dos forcément, hein. Tu vas aller chez toi, Festia? Oui, je vais aller prendre quelques accessoires, disons. Ouais, tu veux aller prendre quoi? Deux canons à feu d'artifice. Pas bien non plus. Je vais t'accompagner, Festia, pour t'aider au transport. Que j'attache sur mes pattes, en fait. Tu vois, Doom? Ah bah voilà. Très bien, donc tu prends deux canons à feu d'artifice. Alors, c'est pas des armes très puissantes. Oui, mais ça peut faire peur. Ça va me rassurer. Ça peut faire peur et ça va me rassurer psychologiquement. Ok. On va dire. Donc deux canons. Est-ce que j'ai oublié que ma corne était brisée? Non, là tu t'en es bien rappelé, là. Ok, bon. Non, là pendant toute cette aventure, je considère que tu t'en souviens. Et que okay, t'inquiète pas, on va te le rappeler. Mais que exactement. Après, tu peux toujours t'en servir, parce que c'est quand même une explosion. Oui, bah oui, c'est ce que je dis. Je pourrais jouer comme ça, quand on voit. Sauf quoi, genre, quoi, une fois, ça peut rater de temps en temps, ou c'est genre à chaque fois que non, ça c'est à chaque fois qu'elle utilise sa magie. Ou alors, quand Pestilence voudra faire une explosion, ça fera pas une explosion. Bah, c'était simple, si tu regardes le film, tu regardes Tempest, oui. C'est pareil, elle a la corne cassée. Et... Je l'ai regardé hier, donc c'est pour ça. Mais ça repousse ou pas? Non, ça repousse pas, non. C'est soignable. C'est qu'avec la magie, il faut une grande puissance magique. Ouais, non. Genre la magie combinée de toutes les princesses d'Equestria. Ouais, quoi. Voilà, genre un truc du genre. C'est un peu la loose quand même. Parce oui, que voilà. C'est à vie du coup. On peut considérer que c'est à vie. Mais peut-être pas. Donc, Festia, tu reviens donc avec tes deux canons à feu d'artifice. Du coup, vous allez tous dans la forêt. Vous cherchez d'abord au palais essence. Canette et j'y vais. Ou vous cherchez d'abord au palais essence. Au palais essence, ça reviendra. Il est pas con, non? C'est le chat un peu. Ouais. Moi, il me paraît pas très con. Ok.
Sinon, mais. Très bien, donc vous avancez tous dans la forêt. Je prends une canette du pack et je commence à boire. On va vraiment tous en forêt ? Bah oui, bah, sauf Festia qui allait chercher des choses. Bah moi j'accompagne Festia quoi. Mais c'était pas avec moi, on a pas fait des groupes ? Il y a un groupe de deux qui est allé chez Festia pour aller chercher du matos. Oui. Du coup, composé de Ethel et de Festia. Oui. Et il y a un groupe de trois, composé de toi, moi et Testy, où on est allé dans la forêt. D'accord, j'avais pas entendu ce moment-là. Mais du coup, ma question c'est, du coup, est-ce que vous allez tous dans la forêt ? Oui. Bah oui. Ok. Bah, les trois de notre équipe. J'ai envie de récupérer Angel parce que je l'aime bien. Ok, donc vous allez d'abord récupérer Angel, j'imagine ? Ouais. Moi, j'aime pas ce lapin, donc il va vite me faire chier, mais... Donc, les empreintes d'Angel mènent à une grotte et disparaissent dans les ténèbres. Je passe en premier. Je balance un feu d'artifice dedans d'abord. Sachant que, je vous le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, les licornes ont la possibilité naturelle d'éclairer leur licorne pour faire de la lumière. Oui. D'éclairer leur corps. Ah bah, si comme voulez, une lampe torche. Bah oui, Pestilence, tu peux essayer. Mais ça va être explosif. Il fait très sombre dans la grotte et le froid vous fait frissonner. Votre lumière... Non, votre lumière ne fait rien du tout parce que pour l'instant vous n'avez pas de lumière. Qui allume la lumière ? Moi. Bah, moi, écoute. Hein. Moi, je balance une fusée de détresse au fond de la grotte pour voir ce qu'il y a tout au fond. Fais-moi un jet d'esprit pour voir comment la lumière s'allume. Eh ben, ta lumière s'allume très bien. Vous êtes tous éclairés par la lumière de Maple. Alléluia. Parfait, j'éclaire sur 600 mètres. Non, peut-être pas. Votre lumière danse sur les parois de pierre qui luisent d'humidité tandis que vos sabots claquent sur le sol de pierre. Vous n'entendez que le bruit des gouttes d'eau qui tombent du plafond. L'air est froid, humide et ça sent le moisi. Le tunnel finit par déboucher dans une vaste salle qui brille comme si elle était illuminée par un ciel nocturne constellé d'étoiles. La lumière vient d'une sorte d'ours gigantesque, au corps transparent, bleu, nuit, qui brille comme si son pelage renfermait des centaines d'étoiles. Une grosse étoile blanche brille sur son front, et il a des féroces yeux jaunes et des crocs blancs luisants pointus. Vous avez entendu parler de ces monstres dans les histoires. C'est un oursin, un monstrueux ours magique. Ah, le fameux. Le fameux oursin. Oui. Minor. Le truc comme le front, ça se récupère, vous pensez ? Je lui dis bonjour. À mon avis, tu peux essayer, mais il est très gros, l'ours. Oui, mais je lui dis bonjour. Genre, il dort. Bonjour. Il est en train de dormir. En dépit de son apparence terrifiante, l'oursin affiche un doux sourire et câline doucement un petit animal blanc tremblant de peur. C'est Angel, il a l'air absolument terrifié. Le lapin tente de se libérer et pousse de petits couinements paniqués. Vous remarquez que l'oursin a mis une couche à Angel et le berce doucement. Un grondement sourd monte sur la gorge de l'oursin et elle est en train de lui chanter une berceuse ours. Les amis. Tiens, mais reste là 10 minutes, ça te fera les pieds, sale lapin. J'ai une idée de génie. Laissez-moi utiliser mon poil à gratter maintenant. Elle veut l'utiliser, son poil à gratter. Elle veut rentabiliser. Non, mais... il est magique, mais... il ne le sentira pas. Ah bon ? Bah oui, il y a quelqu'un qui est translucide. Mais tout est magique ici, je pourrais jamais utiliser. Il est éthéré. Alors moi, je réfléchis et je pense que je vais voler et me mettre à sa hauteur, là où il y a Angel. Ouais. Et je vais tendre un cookie au nounours. En étant en mode toute gentille. En mode Fluttershy, si tu préfères. D'accord. Alors tu vas tenter... Même si j'ai très peur au fond de moi. Tu vas tenter de faire un petit jet de charme. Oh, j'ai fait... Un des six. Trois. Bon. Tu vois que l'ours te grogne un petit peu dessus. Et n'a pas forcément envie de cookies. Je baisse mes oreilles.
Je vous rappelle, enfin vous avez toujours pas utilisé, mais vous avez toujours 6 points d'amitié chacun, et vous pouvez toujours relancer et tout ça. Moi je fais bestu, tu vois le chapeauté? Oui. Bah je vais faire pareil. Mais est-ce que tu as la compétence gros yeux? Du coup, étant donné que tu ne l'as pas, tu peux le faire, mais tu vas faire un D4. Mais moi je l'ai normalement. Oui, C'est la compétence bouille mignonne en fait. Oui, mais tu ne l'as pas encore débloqué. Mais tu peux toujours la faire, Pestilence, c'est juste que tu auras. Mais de toute manière, c'est D4. Donc non, c'est bon, tu peux la faire aussi, Pestilence. Bah écoute, moi, j'enchaîne juste après, de toute façon. Ouais, vas-y. Dans la continuité de mon action, oui, par le réflexe, bien sûr. Tu vois. Donc vas-y, fais un D4, Festia. Parce que du coup, t'as réussi à faire 4 sur un D4. Du coup, tu peux faire un sabot explosif. Et du coup, sur un D6, tu fais 4. Malheureusement, ça va pas être suffisant, quoi. Je suis triste. Pesti, tu veux tenter? Oui, pourquoi pas. Mais donc vas-y, fais un D4. Ah! Bon. Bon, bah, ça rend quoi moins d'effet. L'ours est toujours en train de câliner Angel. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Je lance un feu d'artifice dans la pièce. Je m'éloigne. Tu fais ça? Je fais de même. Bah, j'ai pas le choix. Faut bien que tu libères Angel. J'ai l'idée de m'éloigner aussi. Donc, tu fais ça, et tu vois l'ours qui grogne et qui commence à foncer sur vous. Mais on court. Il a lâché Angel, du coup. Oui, il a lâché Angel, mais il vous poursuit comme, bah, comme si vous voulez vous bouffer, tout simplement. J'utilise la télékinésie, en bougeant pas. Genre juste... Mais tu veux utiliser pourquoi la télékinésie? Pour faire péter ma corde. D'accord. Alors... Eh ben, ouais. Tu sais ce qu'on peut faire? Fais-moi je vais te télékinésie. Oh ben voilà, regarde. Sur l'ours, et toi tu télékinésies à côté de l'ours. Attends, ce qui se passe... Alors attends. C'est ce qu'il y a fait, mais moi je propose un truc. Attends, parce regardez, que... Oui, mais tu attends, parce que Pestia a déjà fait une action. Bah moi j'ai déjà lancé un feu d'artifice dans la grotte. Oh mais ça fait pas de dégâts, ça. Non, c'est juste pour le faire sursauter, histoire qu'il lâche Angel, en fait. Ah mais d'accord. On peut le tuer, non? Alors, en fait, j'avais pas vu, mais la compétence corps de l'ours, elle est abusée. Elle est à combien? À 3 D20, d'accord. Donc en fait, tu fais péter ta corne. L'ours... en fait, t'as l'explosion qui s'effectue correctement. Et t'as l'ours qui sort de l'explosion et qui t'attaque, Pestilence. Ah! Tu es... L'ours, il te regarde en mode « Wesh ». Non, non, il t'attaque et il te jarte d'un côté de la grotte et tu m'enlèves un point de vie. Ok, bon, ça va pour une attaque d'ours, démon, bon. Oui, non, mais moi, j'ai sorti un cookie et je hurle « Angel, qui vienne avec nous ». Il veut pas venir, c'est un petit con. Est-ce que je peux faire de la télékinésie pour ralentir l'ours le temps qu'on parte? Non, tu peux essayer. Non, je sais pas si... Ouais, bah oui. Ouais, enfin, moi je dis tu peux essayer. Ça sera très difficile. Je vais te mettre la difficulté à... T'as un D6. Je mets la difficulté à 10. Je suis obligé. Tu fais ton D6 normal, et si tu fais 6, tu pourras pousser ton G et pas du tout. Ah bon, bah, laisse tomber. Allez, hop. Ok, donc tu as fait 1. Ce qui se passe, c'est que l'ours te fonce dessus. Tu as 3 secondes pour agir. 3, 2, 1... Fais-moi un jet de corps pour essayer d'esquiver. Un des combien, déjà? 4. Tu l'avais sur toi. Bon bah, je me le bouffe. Tu te prends tout dans la gueule parce que tu viens de faire deux échecs d'affilée. Ça vous dit, on désinstalle et on réinstalle le bolt, je crois qu'il est cassé. Non, non. Tu lui as pas cassé, non. Maple, tu perds 2 points de vie. Aïe. C'est pas un simple ours, c'est un oursa minor. Ça veut dire qu'il y en a des majors. Ah. Morgane, t'avais bien dit qu'il y avait de l'eau qui tombait au sol. De quoi? T'as bien dit qu'il y avait des gouttes d'eau qui tombaient du plafond au sol. Oui. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a plus d'eau que les autres? Oui, sûrement, oui. Je vais essayer d'en trouver un et de me positionner derrière pour faire en sorte que l'ours glisse dessus. De quoi? Attends, parce que ton micro il fait n'importe quoi donc. Oui, je vais essayer de trouver un truc où il y a de l'eau comme ça.
et je vais me positionner juste derrière. Ouais. Et ton plan, c'est quoi? Et mon plan, c'est que je vais gueuler à l'ours. Viens ici! Et t'espères qu'il glisse? Non. Ça, c'est la première partie du plan, c'est l'attirer. Ouais. La deuxième partie du plan, ça va être fuir. C'est qu'il n'y a pas de plan. C'est ça. D'accord. Ça, ouais. C'est un plan, là. Est-ce que Angel vient vers moi? Angel est surtout tout au fond de la caverne, recroquevillé en boule en étant apeuré. Et il y a un peu l'ours mineur qui est entre vous et lui. Mais mon feu d'artifice l'a pas fait sursauter. Il est en boule au fond de la caverne. Il est en boule au fond de la caverne. Lui, il s'en fout, il est en boule au fond de la caverne. Il a peur de tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon feu d'artifice pour simplement l'ours lâche prise. Ah oui, non, mais il a lâché prise. Mais que j'attire immédiatement, en fait, avec un cookie à la main, Angel, en fait. C'était le but, justement, qu'ils viennent directement vers nous. Oui, mais là t'as lancé ton feu d'artifice, donc... et t'as l'ours à mineur qui a foncé sur vous, donc là, il est en boule au fond de la caverne. Le cookie, il était pas plus tentant que se faire écrabouiller par un ours. Mais oui, mais En fait, le truc, c'est que si l'ours est en face, et que Angel était sur l'ours, tu vois, et qu'il le tenait en face, comme ça... le lapin, en fait, il a fait le tour de l'ours pour aller au fond de la caverne. Il n'est pas venu fuir avec nous en direction de la sortie. Parce que le premier réflexe que t'as... Attends, demande beaucoup un lapin, là. Parce que le premier réflexe que t'as quand on te libère, c'est de fuir en direction de l'air libre, oui, tu vois, de la sortie. Mais non, mais là il est juste trop perturbé, il est trop choqué. Si tu veux. C'est un lapin, il va pas chercher la sortie, il va chercher le coin le plus éloigné qu'il voit, donc qui est pas forcément la sortie, et il va se planquer dans le coin. Ouais, mais là on parle d'Angel, c'est le lapin de Fluttershy. Un lapin qui a une intelligence supérieure, ce qui est vrai. Au pire, on peut lui demander de venir vers nous, mais octobre. Bah, c'est ce que j'arrête pas de faire. Ah oui, non, en fait, t'as pas proposé ça en fait. En fait, t'as juste dit que tu proposes un cookie, mais t'as pas précisé à qui. Et bah, Angel. Non, mais moi j'avais juste la vision, tu proposais un cookie devant l'ours, du coup bah... Alors, bah en fait, je t'explique ce qui s'est passé, c'est quoi. J'avais pas compris ça, moi, au début. Bah, c'est ce que je voulais faire. Mais le problème, c'est qu'en fait, je t'explique, je voyais qu'Angel était coincé, qu'il pouvait pas sortir. Oui. J'ai volé en direction de la tête de l'ours, oui, et de là où il y avait Angel. Même s'il avait voulu attraper le cookie, il aurait pas vu parce que y avait l'ours qui le tenait. Oui, je sais, laisse-moi finir. Donc j'essayais d'amadouer l'ours pour qu'il lâche Angel et voilà, tranquille. Mais j'ai vu que ça marchait pas. Du coup, pour que Angel vienne saute dans mes bras parce que je suis juste en face de lui et que l'ours le lâche par sursaut, tu vois. J'ai simplement lancé un feu d'artifice, une petite fusée en haut de la caverne pour que l'ours sursaute, qu'il lâche Angel. Angel vient sur moi parce que je suis juste en face en plus. D'accord, bon, dans ce cas-là, étant donné qu'en plus Maple et Pesty ont pris l'attention de l'ours, tout simplement, j'ai juste demandé de faire un jet de charme pour faire venir Angel. D'accord. Qui servira aussi pour avec le cookie. Ok, nickel. Tu vois, les cookies, je t'avais dit, ça sert toujours. En toutes circonstances. Toutes circonstances, toujours avoir des cookies sur soi. Donc c'est un D6, ouais. Oui. Eh ben, ça change pas, en fait, il est en boule au fond de la caverne. Bah écoute... Je vous ai dit, le bot, il est cassé. Bah, là, attends. Du coup, en fait... Non, il est pas cassé. Non, ouais. C'est vraiment qu'on a la peur. Non, mais toi, t'es le MJ et le modo du jeu, donc il a peur. Bien sûr. Et... Tu l'intimides. Du coup, pendant que l'ours, il s'en prend aux autres, moi, je fais le tour et je vais vers Angel, en fait. Simplement. Oui, tu peux totalement le faire et le prendre par le cou, même s'il veut pas. Hein. Bah, c'est ce que je fais, hein, simplement. Ok. Enfin, pas par le coup pour éviter de l'étrangler, mais je le prends. J'imagine ça comme un loup prend son petit, quoi. Oui, si tu préfères. je trouve ça cute, pour ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il y a toujours l'ours qui est là, qui est sur Maple et Pesty.
Bah, moi, c'est-à-dire qu'il me semble bien que je suis par terre en train de oui. perdre. Donc là, moi, je le prends bien. Il n'y a plus que Electro et Ethel qui peuvent faire quelque chose. Ouais, ouais. Comme j'ai dit, moi, je vais essayer d'attirer son attention en gueulant. Ok. Et je vais voir déjà si j'arrive à attirer son attention. D'accord. Fais-moi un jet de charme. Si t'arrives à attirer son attention. Suffisamment. Plus que le feu d'artifice, du moins. Est-ce que tu veux pousser ton jet? Parce que là, ça sera pas suffisant. Ok. Du coup, j'ai poussé le jet. Le mec fait une réussite critique et c'est pas suffisant. Non, mais là, ça sera à 8. Le machin, il a été attiré par un feu d'artifice. Du coup, je tire un dé 12, c'est ça? Ouais, il faut que tu fasses plus que 6. Avec un dé 8. Faut que je fasse un dé combien? Tu fais un dé 8 et il faut que tu fasses plus de 6. Bon. Malheureusement, non. Alors, tu arrives un petit peu à... Mais c'est pas suffisant, en fait. Il est toujours focus sur Maple et Pesty. Malheureusement. Ethel, est-ce que tu as une idée? Moi, je suis en mode... Vous en faites pas pour moi, je le vis bien. Il est pas lourd. Alors, Maple et Pesty sont attaqués par l'ours. Pesty récupère Angel, c'est... Oui. Ouais. Et Electro a essayé d'attirer son attention. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sauver Pestilence Apple. Je vais mettre à côté de Electro et je vais essayer de lui attirer. Alors, ça c'est un truc intéressant parce que tu veux faire la même chose que Electro. Du coup, c'est un truc qui ça favorise l'amitié. Du coup, là, je peux vous donner un bonus pour ça. Bah ouais. Oui, donc là, Electro, oui, depuis le début, Ethel, t'aurais pu t'associer à lui pour faire un jet de charme. Donc, je vous laisse envoyer tous les deux votre jet de charme et ça sera celui qui fera la meilleure réussite. Un dé combien? Bah, un dé de ton charme, D6. C'est pas moi qui vais y... Bon, très bien, un et un deux. Il y a pas moyen de faire une petite relance. il faut faire les trucs maximum. Ah bon, bah tant pis. Moi je dis, utilise tes 6 points d'amitié, comme ça au moins c'est réglé. Non mais oui, en plus vous avez des, vous pouvez les... en plus vous pouvez utiliser ceux de vos potes aussi, hein. Comment ça, ils peuvent utiliser ceux des potes? Non mais enfin les potes peuvent leur en donner, hein. Genre, toi, Apple, tu peux donner tes points d'amitié, Pesty peut donner ses points d'amitié, c'est vos points d'amitié. Non. Moi, j'utilise les miens, je vais pas là. Très bien. Par contre, je sais plus comment ça fonctionne. Bah, tu me dis combien tu me donnes de points d'amitié et je dis ce que ça fait. En gros, si tu me donnes un point d'amitié, tu peux relancer un dé. Si tu me donnes deux points d'amitié, tu peux relancer un dé et ça sera forcément un dé 20. Et si tu me donnes 3 points d'amitié, c'est une victoire automatique. Sachant que là, vous êtes à 2, donc vous pouvez vous partager des à donner. Si jamais. Allez, je vais sacrifier 2. 2 symboles d'amitié pour permettre à Electro et à Wadoff. Ok. Electro, est-ce que tu donnes aussi un... Tu préfères que je fasse direct un D20. Tu préfères quoi, Electro? Tu préfères que je sacrifie 2 points d'amitié pour qu'on puisse rouler tous les deux ou faire un D avant? On va en donner un chacun. Mais ouais, un chacun. Vous en donnez un chacun, du coup, vous relancez un D? Un D20? Ouais. Ok. Donc, je vous enlève. Vous en avez 5. Tu tires le D20 ou je tire le D20? Vous lancez tous les deux le D20 et ça sera le D20 le plus haut, tout simplement. Bah, ce ne sera pas moi. 3. 3 avec un D20, sérieusement. La magie des... C'est mais... Quoi? Tu vois, j'ai dit que le bot, il était cassé et que c'était que pour toi. Non, mais attends. Attends. C'est une blague. C'est tout. C'est une blague. Est-ce que vous voulez réutiliser des points d'amitié? Non. Attends, là je... Non, mais je suis curieux. Bon bah voilà, on a essayé. On n'a pas réussi à attirer son attention.
Voilà. Vous avez l'ours à mineur qui continue donc à s'acharner contre Maple et Pesty. Il va faire son deuxième jet. Alors, attends. Une fois que je suis dehors de la grotte avec Angel dans les bras et qu'il est safe, je lance un autre feu d'artifice, s'il te plaît. Ouais, alors, juste après cette action-là, dans ce cas-là, Maple, Pesty, vous allez tous les deux me faire un jet de corps pour essayer de résister, du coup, vous allez le faire ensemble. Vous pouvez très bien utiliser vos jetons d'amitié pour essayer d'augmenter vos probabilités, ou comme vous voulez. Comme vous... Ça te dépend des bestes. Bah, non, moi je fais une action normale, enfin, j'essaie de le bouger avec ma... avec ma télékinésie. Moi, ce que je pense qu'on non, peut mais la télékinésie ne marche pas, c'est un gros ours, vraiment. Morgan. Oui, bah laisse-moi être désespéré, je suis à moitié écrasé, je commence à manquer d'oxygène parce que je peux ça plus respirer. Sachant que les jetons d'amitié, c'est vrai, ça peut vraiment vous sauver littéralement. C'est ce que vous avez pas pensé. Est-ce qu'on peut faire... Je suis en train de vous aider, là. C'est-à-dire, oui, on lui jette Morgan. Le jeton d'amitié à la gueule, il fait « Ah, copain !» et puis il nous laisse partir. Mais non, mais... Morgan. Oui. Est-ce qu'on peut juste jeter nos dés pour voir les résultats et voir si on relance ou à ce moment-là utiliser un jeton d'amitié? Bah vous pouvez essayer de faire un... Bah, du coup en fait ça fera deux actions. Ah ouais. Et entre les deux, Festia pourra agir. Bah c'est comme tu le sens, Maple. Est-ce que tu veux qu'on... Vas-y, fais le plan, je te suis. Mais j'en sais rien. Moi je pense que je peux encore... Vous avez 5, 4... Bon allez, moi je l'ai tombé. Ouais. Donc Maple okay, tout comme elle a dit. Parce que j'ai pas entendu. Et bah envoie ton jet de corps. Ok, donc Maple, Pesty, vous essayez de résister contre l'ours à mineur, mais vous perdez encore un point de vie, étant donné qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que vous. Ouais, bon. Génial! C'est qui déjà qui a lancé un feu d'artifice que je le frappe? En plus, c'est pour sauver un lapin que j'aime pas. C'est moi non plus, parce qu'il m'a donné de la bouffe. Festia, tu peux faire ton action, du coup. Alors, à l'instant même où il dit qui a l'idée de lancer un peu d'artifice, j'en balance un dessus. tu es mais, où actuellement alors... Tu es au fond de la caverne ou tu es sorti? Non, je suis sorti. Ok, là, donc tu es derrière Maple et Pesty. Bah, je suis à l'entrée de la caverne, quoi, à la okay. sortie. Donc tu es derrière elle. Donc, c'est un truc en l'air, pas sûr, okay. Tu vois. Oui, bien sûr. Tu lances un feu d'artifice et vous voyez l'ours. Il regarde le feu d'artifice, il regarde Festy et il fonce. Il fonce sur moi? Bah écoute, je m'envole. Très bien, tu t'envoles et tu vois que. Tu t'envoles. Pardon. L'ours fuit vers là où il pense être le feu d'artifice. Qu'est-ce que vous faites? On fuit. Ouais. Mais dans l'autre direction. Le direction, très bien. Moi, je pense que je vais essayer d'aller vers la sortie, même si je sais que c'est là où est Festia. Est-ce que je peux attraper quelqu'un et m'envoler avec? Seulement si t'es sage. Tu peux. En faisant un jet de corps. Ouais. Ou jet de vol, non? Et l'autre aussi, il faut qu'il fasse un jet de corps et il faut que tu gagnes ce jet de corps. Pour voir si t'es plus puissant, pour voir si tu arrives à soulever. Tu veux soulever qui? Qui est-ce qui était à proximité de moi qui m'avait... C'est Ethel qui m'avait aidé ouais. à... Bah, je vais prendre la tête. Très bien, donc faites-moi un jet de corps tous les deux. Enfin, sachant que si c'est Ethel qui gagne, il y aura forcément un bonus étant donné qu'elle peut se laisser porter. Alors s'il y a un point de différence. 4 et... Si c'est 5, ça va. Mais si c'est 6, ça sera trop lourd. Tu veux celui sachant que je fais un des 8... Oui, un D8 du coup. Bon bah c'est bon, c'est large. Tout va bien. Du coup, je prends Ethel et je m'envole dans les airs afin de ne plus être à proximité de l'ours. Okay. Ça va, j'ai pas trop de temps. Nickel. Donc vous arrivez à fuir cette caverne de malheur et cette ours de malheur. Ouais. J'ai encore 7 PV, je l'ai dit. Misère. On en est qu'au deuxième animal sauvé. On a sauvé le lapin, donc je donne. Vous avez sauvé le lapin et Gumi. Il y a un moment donné, les animaux, ils auront faim. Où est-ce qu'ils vont aller? Chez eux. Oui, mais non, mais ça marche pas comme ça. Lequel voulez-vous sauver ensuite? Le moins dangereux. Le chien, peut-être. Il pourrait nous aider après. Oui, Nona. Ouais, c'est un chien, je veux dire, en théorie, on le siffle, il vient, quoi. En théorie.
Ouais, mais en plus, il pourrait nous ça aider. Ça dépend de l'éducation. Je vais l'attirer avec des cookies. Moi, je dis le chien, franchement. Ok, donc vous entendez justement les hurlements du chien. Et vous vous rapprochez tout doucement de la source des bruits jusqu'à découvrir l'origine. Et vous voyez un Winona qui est attaché à un piquet devant un cabanon en piteux état, dans une grande clairière pleine de troncs d'arbres coupés et de dizaines de trous. Winona hurle tristement à la mort. La porte de la cabane est entrouverte, mais nulle fumée ne sort de la cheminée. Il nous faut un plan. Moi, je trace en ligne droite pour essayer d'aller libérer... Vas-y, je te suis, Liana, parce que c'est mon idée aussi, donc... Christian, tu ranges tes feux d'artifice. Non, Festia, tu ranges. Moi, je vais contourner pour m'approcher de la porte du cabanon. Donc, c'est Ethel et qui vont libérer directement le chien ? Ethel et Festia. Ok, donc Ethel et Festia, vous vous approchez de... Non ? Alors, je tiens juste à dire... Moi aussi ? Excusez-moi. M'appelle aussi ? Je tiens juste à dire que c'est grâce à mes feux d'artifice qu'on a réussi à récupérer un jet. Grâce aux deux feux d'artifice. Alors, grâce à tes feux d'artifice... Ça reste à revoir. Ah. Donc, vous trois, vous vous approchez du chien et vous libérez facilement. Il est tout heureux, il remue la queue, il aboie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il aboie tellement que de la cabane, vous voyez trois chiens à diamants qui sortent de la mine en poussant par les trous. Putain de clips. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je me mets devant et je grogne. C'est moi le... Je peux les retélékinésie dans leur trou. C'est pas très français ma phrase. Totalement. C'est surtout bizarre. Je t'ai retélékinésie dans ton trou, tu vas voir ce que ça va te faire. Ça va te faire tout drôle. Est-ce que vous voyez l'animal ? Non. Bah, il y a juste à cliquer le lien. Ok, oui, d'accord. Ouais. Voilà. C'est immonde. Voilà. On te demande pas ton avis. Ouais, merci. Ils ont l'air laids, méchants, suspicieux et sont persuadés que vous voulez voler leurs gemmes. Ah bah oui, moi je suis pas con. C'est qu'il y a des gemmes. Hein. Oui, c'est des chiens à diamants. Ah bah grave, mais venez, on va le piller. Non mais les diamants sont sur eux. Voyons, okay. Quelle idée. Ils aiment le sexe, je crois, ceux-là. De quoi ? Le sexe. Quoi ? J'ai entendu, mais c'était écrit dans un des livres. Ah, fais-moi un jet d'esprit pour être sûr de ce que tu dis. Ces trucs-là aiment se reproduire. Est-ce que tu vois ? Là, je suis pas sûr. Envoie-nous le passage du livre, peut-être. Un de six. Alors, ce qui se passe, c'est que tu te souviens effectivement de ce passage, sauf que c'était absolument pas des chiens à diamants. Ah, C'était un autre type de chien. D'accord. Non, mais tu me diras, tous les chiens sont un coup du cul. Oui, mais... Ouais, mais eux, ils aiment bien mettre des gemmes. Ouais, ah oui, d'accord, ouais. Oh non, je vais pas se mettre des gemmes dans la merde, en fait. Zut, on vient transformer un truc MLP en moins 18, quoi. Ouais, non, mais stop. Mais, MLP, c'est moins 18. Sur quoi je me suis lancé. Avec leur jeu, hop. Sur quoi je me suis lancé. Ouais, j'aurais pas cru que ça verrait comme ça. Je dandine des fesses devant eux, comme ça les hypnotise. Morgane. Tu fais un JDR avec des ponettes roses et des arcs-en-ciel. Tu t'attendais à quoi ? Certes. Oh là là. Bon, bref. À un moment donné, tu cherchais, hein. Du coup, il y a Winona qui est avec eux, c'est ça ? Non, Winona est toujours avec vous. C'est juste que il a attiré trois chiens à diamants. Bah, encore. Là, je regarde Winona et je fais : tu vois ce que t'as fait ? T'as vu dans quelle situation tu nous mets ? T'as pas honte, sale chien, là ! Et là, tu vois Winona qui est tout penaud en mode. Oh. Oui, eh ben tu te démerdes, tu parles le chien, donc tu vas leur dire de rentrer bien sagement. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas acheté des gemmes tout à l'heure ? Moi.
Eh ben, écoute, ce que tu peux faire, c'est lancer aux chiens aux chiens gemmes. Tu leur lances pour qu'ils aillent le chercher, quoi, pour les distraire, parce qu'ils aiment beaucoup, beaucoup les gemmes. Alors, question. Est-ce que c'est comme le feu d'artifice de tout à l'heure? C'est, ça va peut-être. Non. Ou est-ce que ça va 100% marcher? Parce que c'est quand même 20 PO la gemme. Non, à mon avis, ça va marcher. Regarde, ça va marcher. Ça va marcher. Eh ben, je vais jeter une gemme. Et puis voilà, je me sacrifie pour la communauté. Voilà. Il te reste plus d'ailleurs. Tu laisses tes deux gemmes ou une gemme? Bah. Tu as deux gemmes. Ça... J'en jette une. Ça va pas. C'est des chiens. Il y a deux chiens. Tu jettes une balle, les deux vont avec. Hein. Alors, oui. Et en plus, ça va être la discorde entre eux. Parce qu'ils sont très addicts. Très, donc tu envoies la gemme. Et vous voyez les chiens qui se jettent littéralement sur la gemme et qui se battent pour avoir la gemme. Allez, on se bat, on se bat, on se bat. Ouais, totalement d'accord. Nous, on fait des paris. Electro, tu paries sur qui? Vous avez vu, cette fois, on a réussi à s'en sortir sans feu d'artifice. Ouais. Bah oui, on a perdu une gemme dans le tas. Ouais, mais on a réussi. À... Vous avez récupéré Winona, Angel, Gumi. Lequel souhaitez-vous récupérer ensuite? Le hibou. Le hibou? Ouais, le Witches, là, on peut se séparer. Moi, je vole. Donc, nous, les petits qui volent, on va aller chercher le Witches. Je vole aussi. Et les autres, chercher le Minot. Ah ouais, bah oui. Le nom du chien. Dans la série, c'est le même. C'est Winona. Oui. Winona. Ok, on est d'accord, quand ils ont imaginé le nom de cet animal, les scénaristes, ils ont fait, vous avez un nom pour le chien? Il y en a un, il s'est arrivé dans le coin, il fait, eh, nana, On est d'accord, ça s'est passé comme ça. Philippe, t'as un nom, eh, nana. Moi, je vois ça. Parce que... Donc du coup, les deux Pégases, vous allez chercher Holobisus. Donc vous voyez la piste de Sui qui se termine dans une clairière à l'air sinistre, entourée d'un dense rideau d'arbres. Des hurlements frénétiques proviennent de la clairière quand vous arrivez. En écartant les branches basses qui encadrent l'entrée de la clairière, vous découvrez un sol couvert de magnifiques plantes bleues, des pétales bleus, des feuilles bleues, des tiges bleues, striées de veines d'un bleu plus sombre. Un grand chêne pousse au milieu de la clairière. Holobisius est là et se cogne régulièrement le front. Dans le tronc, pardon. Il n'arrête pas. Oh, bah oui, le front contre le tronc, oui. Il n'arrête pas de ululer et vole en louchant d'un air complètement idiot. Bon, vous voulez donc vous voulez au-dessus de cette marée de bleuté. Je crois que c'est bleu. Moi, j'essaie d'imiter des cris de chouette pour d'une manière comme je peux, quoi. Okay. Fais-moi un jeu de charme. Pour charmer une chouette. Vous voyez cet épisode où Carado qui fait des bruits d'animaux pour les autres. Oui. Vous verrez, c'est vachement chouette. Ah 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 ah. Est-ce que c'est... Ah bah de... La réponse est non. Est-ce que ces trucs bleus là, je sais si ça a des particularités chimiques ou est-ce que c'est... T'en as jamais entendu parler de... Non, pas du tout. Bon, bah, c'est probablement pas ça qui rend le hibou complètement large. Enfin, peut-être. Bon, bah, je vais essayer de descendre et m'approcher. Donc, tous les deux, vous allez me faire un jet de vol, D6. C'est des Pégases, ils savent voler depuis qu'ils sont gosses. Non, mais oui, mais je sais, mais quand même. Pour essayer d'attraper le hibou, vous allez me faire un jet de vol. C'est pour la forme. Non, pour essayer d'attraper le hibou. Aussi doué l'un que l'autre. 2 et 2. Vous avez fait 2 et 2. Donc. Ils savent voler, mais alors pas bien. Non, mais je vais pousser. Non, si, ils savent voler. Ils savent voler. C'est juste que quand ils arrivent pour essayer d'attraper... Chut, attends, t'as oublié. Quand ils arrivent pour essayer d'attraper le hibou s'envole, il s'éloigne de votre portée. Et vous perdez un bon de robustesse à cause de la fatigue, car vous vous sentez très fatigué. Moi, tant que j'ai des feux d'artifice, je pète la forme. Vous allez me faire chacun un des deux,
un, vous avez de la enfin, deux, vous avez de la chance, un, vous avez pas de chance. Pas de chance. T'as dit un, on a de la chance, deux, on a pas de chance. Un, pas de chance, deux, chance, j'ai dit. Ah, non. Bon, pas de chance. Et Festia ? Ah, oh, mais tu trouves pas qu'on en a déjà suffisamment pas de la chance ? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je m'appelle pas Lucette, je m'appelle Francis. Oh, t'as raté. Tu peux refaire le dé parce que. Oh. Voilà. Non, c'est. Non, ok. Pas de chance aussi. Non, mais regardez-moi ces jets, putain. Mais voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que. Taogura. Tu vois tes ailes qui commencent à partir dans un angle particulier et en fait tu voles mais à l'envers. Et Festia, tu te vois affublé d'une magnifique robe verte à pois rouge. Mais quel est le fuck? C'est quoi? C'était trop étrange. Moi je note ça. Vous avez bien, c'est maudit. Et donc nous, pendant ce temps, on cherche un chat. Oui. Et donc du coup, j'imagine, enfin, Electro et Festia, qu'est-ce que vous faites? Je vais me poser au sol. Moi, je... Fais gaffe, si tu voles à l'envers, ça va être dangereux. Bah ouais, là, si tu te poses au sol... toi, j'irai me poser au ciel. Non, mais si tu te poses au sol, tu te poses dans les trucs bleus. Ouais, mais je vais me poser dans les trucs bleus. Ok, ouais, tu te poses dans les trucs bleus. On va faire le nez dans toi aussi, Festia? Moi, je vais me poser sur un nuage. Ok. Ah bah oui. C'est vrai qu'un nuage c'est solide. Bah dans la série ouais. Ah oui, d'accord. Non mais oui. Les Pégases dorment sur les nuages. Oui bah tu me diras c'est moins lourd. Voilà. Oui. Du coup je vais passer au deuxième groupe. Ethel, Maple et Pesty. Vous êtes allés chercher qui déjà? Le chat. Le chat. Le chat. Le chat. Faites-moi toutes les trois un jet d'esprit en essayant de faire un 6. Alors. En sachant qu'esprit j'ai un D4, yes. Bah gros courage de faire. Oh bon bah okay, ah, ça y est, on a réparé le bot. Vous avez réparé le bot, ouais. Ouais. Ou alors il est cassé mais dans l'autre sens. Normalement j'ai un D4 Morrigan, mais comme t'as dit un D6, j'ai jeté un D6. On est d'accord. Oui, je considère, enfin, t'aurais dû lancer un D4, mais bon c'est pas grave. Ah bah je sais pas, tu m'as dit un D6 moi. J'ai dit un D6 parce que c'est la compétence classique, mais tu regardes ton esprit et tu lances un D4. Mais toi, t'as pas d'esprit, quoi. Non, mais de toute façon, Maple a réussi. Ok. Bon. Bah. Donc, vous faites le tour du puits. Aussi, hein. Vous voyez un magnifique puits. Oui. En suivant la piste des bijoux tombés par Opal. Et. Vous faites le tour du puits et fait d'un muret de pierre rond et protégé par un toit en ardoise couvert de mousse. Il y a une vieille poignée en bois montée sur une manivelle qui servait à descendre ou remonter la corde, qui disparaît au fond du puits. En vous penchant au-dessus de du puits, vous ne distinguez pas le fond, plongé dans le noir. Les parois disparaissent sous terre, et vous entendez de faibles miaulements qui montent dans les ténèbres. Une vieille pancarte est accrochée devant le puits. En enlevant les toiles d'araignée et la poussière, vous apercevez des mots à la calligraphie antique qui semblent se modifier sous vos yeux. En quelques instants, ils forment un poème. Quel est ce poème? Alors, il est difficile de le déchiffrer, donc vous allez chacune me faire un jet d'esprit à difficulté 5. D'accord. Allez, go pour un D4. Nickel! J'ai rien compris! Bah. Pivis, tu arrives à déchiffrer le poème. Merci, Pivis! Je suis l'âme de poète. Puits à souhait et je vous souhaite grand bien. Vous cherchez une boule de poils ronronnante tombée en mon sein. Je suis profond et à pic sans mes parois. Je garde ce que j'ai pris. Si vous voulez sauver votre féline amie, vous devez lancer vos bijoux en moi. Je veux de l'or ou un jouet adoré. Votre beau collier préféré, une recette des plus secrètes ou des boucles en diamant. Peu importe l'objet, ce n'est qu'une broutille. Ce que je veux, en fait, est ce qui m'émoustille. C'est ce que vous me donniez. Ce qui vous manquera vraiment. Le poil à gratter. Pas monter les psy. Hein ? Le poil à gratter, clairement. Le poil à gratter. Ça y est, on va enfin s'en servir.
Non, je les garde. Moi, j'ai bien entendu ceux qui m'aiment moustille. Je vais répondre à sa demande. Donc, Maple, toi, tu lances quoi? On doit tout jeter un truc. Tant qu'à faire, oui. Bah, autant essayer, moi. Jette un merde pas. je la lance ouverte, clairement. Bah, tant qu'à y être. Tu lances un terre pas, tu vois qu'il y a rien qui se passe. Festia, tu veux lancer quoi? Etel, pardon. Non, moi je veux, vous voyez que j'ai pas très envie, mais je suis en... Non, moi je veux pas préparer mon... Mais moi, je l'ai lancé mon truc ou pas? Tu lances ton poil à gratter, du coup? Bah oui. Ah, d'accord, ok. Ok, donc tu lances ton poil à gratter. Et étant donné que c'est un truc auquel tu tiens vraiment... vous voyez le... Vous voyez donc le chat qui remonte, et une fois sauvé... Opale est mouillée et grogogne. Elle ressemble à une serpillière trempée tant qu'elle n'a pas été séchée. Bon, c'est un séchage pour Opale. Est-ce que le puits, il est content? Il est pas... Genre, est-ce qu'il affiche quelque chose, genre, va te faire foutre? Ça fait chier, ça. Alors, en effet, tu vois le mot qui disparaît et qui est remplacé par un autre. Avec audace et générosité, vous avez sauvé cette minette qui miaulait et se plaignait comme une véritable baronnette. Maintenant, petit poney, laissez-moi à mes trésors et à mon silence, ma solitude, mon triste sort. Cela fait si longtemps que nul n'est venu me voir ici, que je ne sais pourquoi je fais encore de la poésie. Bah parce que sinon tu deviendrais folle. Mais quelle est ton utilité? Oh noble puits. Tu vois que le poème s'efface et qu'il n'y a pas d'autre poème qui revient. D'accord, est-ce que je peux demander un SAV? Non, ça marche pas comme ça, non. Parce que finalement, j'ai un peu faim. Donc, vous avez sauvé Opale et vous essayez de retrouver vos amis ou vous allez chercher Tank qui reste à trouver? Bah, on va chercher Tank, hein, tant qu'on est sur la route. Ouais, mais Tank, il va. On fait confiance à nos deux amis. Très bien, alors ce qui se passe, c'est que... Ce qui se passe, c'est que vous êtes tous en train de vous chercher, vous, entre vous, soit de chercher Tank, et vous vous perdez tout simplement dans la forêt. Nickel! Est-ce qu'on va voir le diable? Et non, par contre, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. À un moment donné, vous vous retrouvez à peu près tous dans un endroit assez sombre pour la forêt des Verfuis, genre c'est vraiment... très sombre, il y a très très peu de lumière, il y a que la corne de Maple qui fait un petit peu de lumière. Pourquoi un petit peu? J'avais quand même fait une réussite critique. Oui, mais ça commence à s'immuniser. Si tu veux relancer un jet d'esprit pour relancer la pile, pour remettre une pile dans ta corne, vas-y, voilà, t'as mis une pile. Bon ben, t'as mis une pile, puis ça a pas marché. Non, mais si, ta corne vous illumine, mais vous vous sentez tous observés. Bonjour. Non, mais vous vous sentez observé, mais... vous savez pas si y a quelqu'un. Bah oui, mais moi, quand je me sens observé, je dis bonjour, ça. D'accord. Moi, je regarde régulièrement autour de moi, mais principalement au niveau du ciel. Par habitude. D'accord. Alors, moi, j'ai aucune situation à Warness. Et du coup, je regarde la route. Vous commencez à percevoir de grands yeux jaunes qui brillent dans les profondeurs de la forêt. Devant, derrière, à droite, à gauche? Devant vous. Ah. Ses yeux effrayants commencent à se déplacer et à se rapprocher. Je chuchote à Pestilence. Là, tu peux dire bonjour. Je l'ai dit deux fois. Ils ont peut-être pas entendu. Bonjour. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Bonjour. Vous dites vraiment bonjour? Oui. Moi, je lui dis bonjour. Moi, oui. C'est pas parce qu'il a deux yeux jaunes que tout de suite... Très bien. Arrêtons les clichés. Tu dis bonjour donc à cette entité et sort de la forêt un poney très étrange. Un poney que vous n'avez... Enfin, vous avez jamais vu ce genre de poney à Ponyville. Ça fait très africain quand même. En même temps, on dira un zèbre. Maple, tu n'es pas une humaine, tu es une poneyette. Tu ne connais pas... C'est waciste. Tu ne connais pas. Moi, j'ai bien fait de dire bonjour. Cette personne. C'est très ouais. Bonjour, bienvenue dans la forêt d'Everfree.
Deverfree ou Deverfree? On n'a pas de Deverfree. 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 Mais c'est ce que je dis, Deverfree. 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 Non, mais c'est bon. On va. Tu vois vraiment que son accent te dérange beaucoup. T'as vraiment du mal à la comprendre. Oh, moi, il me dérange pas, je me fous de sa gueule. C'est une femelle. Elle se présente sous le nom de Zekora. Et tu vas me dire que c'est pas raciste. C'est un dessin animé de base. Puis en plus, elle est très gentille. Oui, elle est très gentille. Elle a l'air très gentille. Elle vous accueille même. Dans sa petite cahute, je vous rappelle, Festia et Electro, tu voles toujours à l'envers. Et Festia, tu es toujours... Oui, je sais. Moi, je suis sur mon nuage. Voilà. Et t'es redescendu quand même pour essayer de chercher tes amis, je pense, non? Je suis descendu en restant sur mon nuage, en mettant un peu des ailes, tranquille. Ok, d'accord. Zekora vous voit, Festia et Electro, et vous dit « Oh, vous avez rencontré des fleurs bleues, vous ?» Ouais, j'ai même pris des électrons, quelques petits éléments pour les mettre dans mes bocaux. Elle vous donne deux petites potions à toi et à Electro et Festia. Elle vous dit que si vous la buvez, vous retrouvez vos corps d'origine. Ok. Est-ce que vous buvez ou pas? Je bois. Festia, tu bois? Moi, oui. Ok, donc vous buvez tous les deux, et Festia, tu vois tes taches disparaître, et Electro, tu vois tes ailes se remettre en place. Comme par magie. Elle vous invite donc tous à... Dans sa maison pour vous requinquer. Pour vous requinquer autour d'une bonne soupe. D'où je prends des mots chez moi. Oh bah pourquoi pas. On va m'expliquer comment vous faites votre potion, parce que j'ai pris quelques échantillons des fleurs bleues. Il faudra voir. Il faudrait pas que je retombe comme ça. Alors il y a Zekora qui te conseille de ne pas garder ses feuilles bleues si tu ne veux pas que la malédiction se retourne sur toi encore une fois. Je les ai mis dans des bocaux. C'est pour ça qu'ils demandent la potion. Oui, mais ça, les fleurs bleues, elles s'en foutent du flacon. Ah, mais bon, très bien. C'est quand même pour ça que tu demandes la potion, en fait. Enfin, la recette de la potion. Non, mais elle va pas te donner la recette de la potion comme ça. Et quand bien même elle accepterait, tu ne comprendrais pas le langage qu'elle emploie. Bah, elle lui en donnait quelques-uns d'avance, puis quand il en a plus, il jette. Du coup, je vais juste... si les bocaux ça marche pas, je vais tout laisser la sorte. Ok, tu te débarrasses des fleurs bleues, ok. Tu vois, moi je vais demander des fleurs bizarres pour faire une fête au crocodile. Non mais là, non. Là non. Là non. Pas. Est-ce que vous acceptez la soupe qu'elle vous tend à tous? Oui. Bien sûr. Il y en a qui refusent ou pas? Non, je sais pas. Moi, je ne vais pas refuser. Maple, tu refuses ou pas? J'accepte. Moi, je mets de l'ail dedans. Dictative. Est-ce que tu goûtes? J'attends que les autres goûtent. Bah, moi, je mets mon ail dedans et je goûte, il n'y a pas de soucis. Très bien. Moi, je mets des cookies dedans. Je goûte comme ça, sans problème. Donc, sans hésitation même. Vous allez tous regagner vos points de vie. Ah. Yay. Sauf Maple qui n'a pas bu. Bah, moi, j'attendais que les autres aient bu. Une fois qu'ils ont bu et qu'ils ont rien, je bois. Tu es une sorcière, méfions-nous. Oui, j'ai essayé de brine. Elle est gentille, Zekora. Non, mais t'as cru que t'allais brine. Donc, là, vous avez récupéré vos points de vie, tous vos points de vie. Vous êtes de nouveau d'attaque pour aller chercher votre dernier ami qui manque. Temple. Vous dirigez en direction de la fumée. Et vous arrivez devant une énorme faille qui sépare la forêt comme une balafre rocheuse. En regardant dans la faille, vous repérez de suite l'origine de la fumée. À mi-hauteur sur la paroi de gauche, Tank, la tortue, est suspendue par la lanière de ses lunettes qui s'est accrochée à une pierre pointue qui dépasse de la falaise. Il a dû heurter la paroi car une épaisse fumée noire s'échappe du rotor cassé de son appareil de vol. Il semble que l'on puisse desséquelader la paroi, mais Tank est loin en contrebas. Vous remarquez que la falaise est percée de plusieurs grottes. Le mieux, c'est d'envoyer les gaz. Oui, ce serait la meilleure stratégie à faire. Dans les plusieurs grottes, est-ce que ça peut abriter des ours, comme par exemple, hein? Peut-être, on ne sait pas. Je vais m'envoler jusque là-bas. Très bien, tu t'envoles et tu te diriges vers Tank, donc. Ouais.
Tu vas me faire un test d'esprit pour essayer de libérer de sa lanière. La difficulté 3. Ça devrait le faire. Mais... Oui, oui, ça devrait le faire. Mais on sait jamais. Il y a un papillon qui tombe autour à ce moment-là. Papillon. Je vais relancer un jet. En utilisant un point d'amitié. Ok, donc tu utilises un point d'amitié. Donc du coup, tu réussis au deuxième essai. Donc tu arrives à détacher Tank et tu atterris au fond du ravin. Tout doucement, en douceur. C'est bon, je l'ai eu. Super, bien joué. Est-ce que tu remontes ou vous explorez les cavernes ou pas du tout? Je pense que je vais remonter. Parce que clairement... Je vais déjà ramener la tortue, ensuite on verra pour aller explorer les cavernes. Je vais remonter. Ok. Donc tu remontes. Vous êtes tous ensemble, vous avez tous les animaux. Yay! Oui! Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous rentrez directement ou... Oh oui, hein. Il vaut mieux qu'on rentre pour au moins. Je vais juste fouiller les cavernes avant d'y aller. Tu suis les cavernes et au moment où tu... Tu passes devant l'une des cavernes, tu vois une sorte de créature rouge allongée avec des grandes dents qui essaie de te choper. Ah mince. On a rencontré le diable. Ça va être un problème. Fais un des quatre. Enfin, un des corps, pardon. Trois. Et moi, je vais faire le mien. Bon. Tu arrives à esquiver de justesse. Ah, franchement, t'es... Tes poils passent, genre, limite s'il arrache pas un petit bout de poil avant. Mais tu arrives à revenir à la surface en mode ouf, j'aurais pas dû. Bon, c'était bien. C'était une bonne idée. Non, là vraiment, t'es en mode ouf là, je suis pas si proche. Je me prends un coca. Pour te redégorer. Donc, vous avez sauvé les 6 animaux disparus et vous les ramenez chez Fluttershy. Mais maintenant, il vous reste une chose à faire. La fête. Ranger. Oui, faut tout ranger. Je m'occupe de la fête, vous vous occupez de ranger. Je m'occupe des animaux. Il y en a une qu'il faut. Je m'occupe des feux d'artifice, vous vous occupez de ranger. Je m'occupe du rideau. Je vous préviens, si je me retrouve toute seule à ranger, il y en a un que je prends avec moi de force. Alors, je m'occupe déjà des animaux. Je sais, ça mange bien. Non, moi, et après, je fais une tarte aux pommes. Je vais chez moi, avec les fédérés, je vais chercher tout ça. Non, tu reviens ranger, et après tu iras chercher ce qu'il faut. Ça prend du temps. Et là, elle court vers un sens qui se casse. Moi, si vous voulez, j'utilise la télékinésie. Hein? Non. Pour vous aider. Non mais je vais aider à ranger, oui, je vais aider à ranger. Donc je vais pas vous faire de jet pour organiser pour la fête si et pour tout ranger. Donc vous êtes en train de faire la fête avec les animaux. Étonnamment, la plupart sont sont bien heureux parce que vous avez réussi à les sauver, quoi. Donc ils vous sont quand même reconnaissants. Oui, même Angel. Mais... Je pense que surtout Angel, parce que je te garantis qu'il aurait été bien dans la mouise. Clairement. Clairement. Au milieu de la fête, vous voyez un petit être qui rentre dans la maison de Fluttershy sans dire bonjour ni toquer à la porte. Il s'agit de Spike, qui crie « À l'aide, toi, espère que les autres poneys ont de gros ennuis, je suis le seul qui ait réussi à s'enfuir. Faut aller les aider tout de suite !» Moi, je le regarde et... T'es qui? C'est qui, Edouard? Faut vite aller les aider. C'est le petit dragon qui était avec Twilight Sparkle. Mais on ne peut pas aller les aider, sinon les animaux... Oui, d'abord. On est occupé. Je pourrais m'en occuper, mais... Je vais m'en occuper. Allez les aider, vite! Tu peux ou tu vas? Je vais m'en occuper. Allez, go! Mais c'est où qu'il faut qu'on aille? Il vous donne un point sur la carte. Mais tout ceci, ce sera dans le prochain épisode. Ouais. Ok, quelle carte? Je vous donne une carte. Ta gueule. Ferme plus. Qu'est-il arrivé au 6? Quel ennui se sont-elles attirées? Comment Spike s'en est-il sorti? Les joueurs devront-ils se rendre dans les terres désolées pour les sauver? Qui s'occupera des animaux de compagnie? Toutes ces questions sont
C'est une mine d'inspiration pour créer votre prochain épisode de My Little Pony. La malédiction des statuettes.